Ouais, qu'on puisse bosser un peu. Du coup. En avant, pour le switch, s'il y a un surveillant, bien évidemment. Axnax est avec lui. Ah, ok. N'hésite pas à lui dire du coup, je pense que c'est bon, normalement tout est réglé. Là, ça va faire une heure de retard quand même. Hey! Tu m'entends? Attends, je suis pas muté. Yo, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, nickel. Allez, c'est parti. En avant. Attends, faut que j'ouvre un truc. Merci Mr. Frex pour les 8 mois, t'es un monstre poulet. Mr. Frex just resubed for 8 months. Bonsoir. Alors, attends. Faut que j'aille chercher les questions. Hop là. Préparer mon petit truc. Alright. Et hop là, hop là, hop là. Ok, c'est parti. Du coup, attends, j'ai pas mal de trucs à te poser comme question, comme d'hab. Pseudo déjà. FRED30. Comment t'écris ça? FREDS30. La qualité du micro est vraiment pas terrible. Que par là, c'est mieux. Non, c'est impossible. T'es jamais passé sur mes lives? Non, j'ai pas l'occasion à parler aujourd'hui, mais sinon, non. Genre jamais, jamais t'as regardé mon contenu. Si, je regarde tes vidéos de YouTube, toujours. Jamais tu m'entends râler sur les 3 dernières semaines sur les gens qui achètent des micros à pied et qui les mettent pas juste à côté de leur bouche, par exemple. Si, ça m'est déjà arrivé, ça. D'accord, parce que là, la qualité du micro, elle est pas bonne du tout. Donc, prends le micro et tu trouves un moyen de le mettre à moins de 5 cm de ta bouche. Et si c'est pas possible, bah faudra prendre un micro-casque comme tout le monde. Est-ce que c'est mieux là? Non, 5 cm. Tu vas me le faire avaler quoi. Ouais, ouais, bah c'est exactement ça. Il faut le caler au menton. Ça sert à rien d'avoir un micro à pied autrement. Alors attends. Si tu dois tout démonter, démonte tout. Mais un micro à pied, les amis, comme je l'ai dit à peu près 40 fois sur le dernier mois, n'achetez pas des micros à pied si c'est pour les mettre à 40 cm de votre truc. Je vais encore refaire le même truc. D'accord. Moi, j'ai un setup de son qui doit coûter à peu près entre 1500 et 2000 euros. Là, je le mets à 3 cm de ma bouche. Vous avez une qualité audio de ouf. Et après... Ça, c'est vous, ça. Là, c'est ce qu'on entend chez Fred's. Et indépendamment de la qualité du micro, si elle est à 1500 balles ou pas à 1500 balles, bah c'est de la merde. Parce qu'un micro, comme on dit dans le milieu, ça se mange. Là, c'est mieux en tout cas. Yeah. Vas-y, fais voir, fais écouter. Parce que là, ça te va. Ah bah là, c'est un bon micro, là. Ouais, c'est nickel. Alright, du coup, après, faut trouver le truc pour le mettre, le pied au bon endroit, que ce soit pas... ça prenne pas trop de... Bah, que ça gêne pas l'écran, que ça gêne pas le truc et tout. Voilà quoi. Ouais, ça, c'est le problème détail, des micros clé-pied. On se dit, ouais, on va passer sur un setup de stream, etc. Et au final, on se dit, bah en fait, il m'emmerde, donc je le mets plus loin. Donc du coup, on augmente la sensibilité du micro pour qu'il capte plus. Et au final, on se retrouve avec la qualité d'un micro webcam. Voilà. Mais un micro, non, ça doit être à 5 cm de la bouche maximum. Merci docteur, t'es un monstre poulet. Et donc ouais ça va, donc tu m'as dit le pseudo et ça du coup les surveillants, vous êtes allés voir Fred avant de venir me voir? Moi je vais même pas demander en fait, mais voilà. Attends, ici oui, et personne ne t'a rien dit sur ton micro? Bah, y avait un fond sonore au départ. Et personne ne t'a rien dit sur ton micro qui était... Attends, parce que je suis en train de faire un message sur WhatsApp. Personne ne t'a dit, en pas restant 10 minutes avec toi sur Discord, que le micro devait se rapprocher de la bouche. Merci Axdink, c'était un monstre. Ah non, mais je te jure, putain. Ça a eu 8 ans à faire le même taf, 8 ans à dire les mêmes choses. Mon Dieu. Anyway, donc du coup, tu m'as dit FREDZ, FREDS? Oui. 30 après? Oui. Ok. C'est parti. Donc, prénom Frédéric, j'imagine?
Tout à fait. All right, je suis un monstre. Frédéric. Âge. 45. 45 ans? Oui. Attends, je zoome. Ah, tu peux. Ah ouais, t'es vieux en fait. Mais oui. Mais t'as un bon setup en plus, fils de pute. Oui, pas mauvais, oui. Ah bah, et donc... Non, mais là, c'est toujours pas bon. Ouais. Ok. Est-ce que t'as déjà vu les mecs à la télé où ils mettent leur micro hyper cher, là? À la télé, tu sais, quand tu vas à la télé, si un jour tu vas à la télé, si un jour on te donne un micro, ils te demanderont de le coller juste dans le petit trou qui est entre le menton et la bouche. Et il faut pas le décoller, en fait. Autrement, la qualité, elle est pas... Mais moi, c'est pas comme le tien, c'est pas un truc qui se met sur le dessus. Hein. Oui, mais en fait, c'est le quadcast machin truc, mais c'est. Il est sur le côté. C'est ça. Et ben là, c'est une bonne qualité, là. Là, c'est beaucoup plus chaleureux, chaud. Non? Hein? Voilà. Donc, du coup, et c'est pour ça qu'on met des anti-pop sur les micros. Ouais, c'est vrai, le petit filtre, là. Oui, effectivement. Et donc du coup, attends, celui-là, peut-être qu'il y a un truc pour faire en sorte qu'il capte pas trop et capte... Enfin bon, bref, tu regarderas. Alright, ville. Du côté d'Alès. Alès, c'est où, hein? Dans le Gard, au-dessus de Nîmes. Ah ok, d'où l'accent, quoi? À la base, je suis originaire des Bouches-du-Rhône. Ah ouais, d'accord, ok. Personne n'est parfait. Ah non. Ouais. Activité, emploi, tu fais quoi dans la vie? Je suis ramoneur installateur. Ramoneur installateur, c'est-à-dire acteur firme porno, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je ramone les conduits. Ok. J'installe des cheminées. Ouais. ramoneur installateur sur Alès. Alès, c'est le secteur. Ouais. Hein? Ok, ça marche bien ou quoi? Oui. De ramener de la cheminée. Oui. T'as des anecdotes un peu à nous raconter ou pas? Non, rien de transcendant. Y a pas une petite nana qui t'a dit un jour, justement, j'ai mon conduit? Non, j'ai pas eu cette occasion. C'est vrai? Ouais. Ok. Merde. Ok. Bon, du coup, on va parler de Rainbow Six, puisque c'est la raison pour laquelle on est là. Ok. Et on va parler du setup un peu. C'est les premières questions pour voir à peu près la base, si on est sur de bonnes bases. Du coup, le setup, qu'est-ce que t'as en souris? Et coupe le live, hein. Je sais pas si t'as le live à côté, mais coupe le live. G Pro X Super Light 2. G Pro X Super Light. Ok, clavier. Le G915. Ok. De chez Logitech. Ok, écran en Hertz. 240, enfin 360. 360 ou 240? Non, lui 360, mais ça va pas plus haut que 240 de toute façon. Comment ça va pas plus haut que 240? Bah, 360, mais après je vois sur la carte graphique, il me met pas plus haut que 240. Je comprends pas pourquoi. Quand tu vas où? Sur les périphériques Nvidia. Il capte pas le fait que ton écran soit... Que mon est en 360, ouais. Et tu l'as mis en quoi? C'est le câble du display? Non, en HDMI 2. Je pense que c'est ça le problème, en fait. 2.1, je crois même. Bah ouais, mais display, je pense que c'est mieux, quoi. Display... which cable for 360 Hz? Faudrait voir ce que ça conduit ou pas, mais voilà, quoi. VESA Certified Display 1.4 Cable. Voilà ce que j'ai directement qui apparaît quand je fais quand je pose la question à Google. Nixus VESA Certified can support monitor resolution at up to 360 refresh rate and 8K HD with display stream compatible. Mon 360 Hz est capé à 240 en utilisant un câble HDMI de la Xbox. Est-ce que vous avez une idée de quel est le problème? Et du coup, putain, je suis vraiment un putain de monstre dans tous les domaines, quoi. Alors, première réponse sur Reddit qui dit la limitation HDMI. Il faut que vous utilisiez un câble DisplayPort. Eh ben, putain, j'ai un câble. Voilà.
Donc, utilise un câble DisplayPort et il devrait caper le décapé. Et tu, ouais, parce que là, ça sert à rien d'avoir le 360 du coup. Hein? Ben ouais. Display, sinon c'est cuit. Faux display, cherche pas, c'est la base. Et ben voilà. Hein? Ouais, mais j'avais raison. Et sans lire le chat, vous avez vu un peu? Hein? Donc, ça, c'est. Voilà, ça se trouve sur Amazon du coup. Tapis de souris, t'as quoi? J'ai un que tu as mis sur ta boutique, là, le SteelSeries XL, Ouais, bien, XXL. bien, ça, c'est bien. SteelSeries XXL. Ok, XXL, j'aime pas trop. En revanche, c'est XXL, c'est. Il va sous le tapis, il va sous le clavier ou pas? Ouais, c'est un 90 par 40, quoi, en fait. 90? Ouais. Ok. Quelle est la taille que tu alloues à la souris? À peu près 50 cm. T'es sûr de toi là? Oui. Oui, hein, ok. 40, ouais, 40, entre 40, 50 cm. Ok, 50 c'est bien. 40 ça commence à être light. C'est ça que je veux dire. Donc c'est important de. Ouais, bah, à vue d'œil, ouais, entre là, je te dirais Ouais. entre Et 40, ouais. il a un pavé numérique, le 915? Oui. Ok. Eh ben normalement ça devrait faire. Faut que tu aies à peu près la taille de ton clavier. Bah, de toute façon, il est à l'extrémité de l'autre côté du tapis, donc. Non mais je veux dire, en termes de taille, la surface que tu devrais allouer sur ton tapis de souris à ta main et ta souris, du coup, sur le tapis de souris, c'est la taille de ton clavier avec pavé numérique. Un clavier 100%, du coup. Donc c'est C'est ça, ça. on est bon. Ok. Casque, du coup, c'est quoi? G Pro G Pro X. X, du coup, ok. Faudra bien vérifier avec le G Pro Hub de désactiver tous les trucs de merde de je sais pas quoi là. Enfin bon, faut bien enlever la spatialisation, les choses comme ça, parce que je connais pas trop du coup le G Pro. Mais faut bien aller se balader dans le logiciel et enlever tout ce qui est toutes les accélérations, améliorations, tout en fait. Moi, Hein. tout ce qui est surround DTS est Et ah là, désactivé parce faut qu'on. Atmos, DTS, Surround, tout ça, faut enlever. Spatialisation, Ouais, tout ça, ça. c'est les mots. 3D, tout ça, Ouais, c'est les mots qu'il faut enlever. mais tout ça y est pas. Alright. Connexion en ping, t'as quoi? Dans le menu, je suis entre 25 et 30, et après, c'est tout dépend où le jeu me balance sur les serveurs, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire, du coup, en règle générale, en moyenne, yo now. Et ça peut, il peut me faire monter jusqu'à entre 50 et 70 de ping. Ah bon? Si je suis sur les serveurs de l'Ouest. Souvent sur les serveurs de l'Ouest. De l'Ouest, ben c'est Europe de Ouais. l'Ouest. Ouais, l'Europe de l'Ouest, ben souvent quand je suis sur ceux-là, souvent mon ping est élevé. Mais t'es à la fibre? Oui, à l'inverse de celui de l'Europe du Nord. What? Ouais, et je sais pas pourquoi ça fait ça, alors que j'ai des collègues qui sont sur le même centre de données que moi et leur ping bouge pas, quoi. Pas normal avec la fibre. Oui, enfin la fibre, ça veut tout et rien dire. T'es chez qui? Chez Orange. Ah oui, ok. T'as déjà fait un speed test Oui. de Ookla là? Ok, fais un speed test by Ookla. Va regarder sur. Tape sur Google, tu tapes speed test et normalement tu auras un truc avec marqué speed test by Ookla. Ookla. Tu lances le truc, tu fais go et on check vite fait, comme ça sera fait. Mais 70 de ping, c'est pas ouf quand même. Moi, c'est ce que je fais en jouant aux États-Unis par exemple. Là. Bon, après, il y a la connexion à l'heure actuelle, le truc, le machin, ça va pas. Hein. Attends, attends, t'es pas en Wi-Fi? Non, je suis câblé. Câblé, bon gros câble RJ45. Hertz. Ouais, le catégorie 7 ou 7A ou 8 là. Ok. Directement à la box. Directement à la Directement à la box? box. Bah, la box est branchée sur le tableau qui passe par Oh. la prise Oh. Ethernet qui relie dans le bureau. Ok, et ces câbles-là, du coup, c'est donc c'est une maison, c'est des maisons câblées RT 2012, du coup. Donc elle a des câbles Ethernet partout. Oui. Mais les câbles, parfois, c'est une maison ou un appartement? C'est une maison. T'as fait construire? Je suis en location, oui. Zero Nawak, zero Donc Just t'es pas Zubed for propriétaire. Simmons. Non. Faut voir avec la qualité des câbles.
Bah là, je suis en Ça, oui. 933 descendant, Et 446 ascendant et 9 de ping. Ok, faudrait que tu fasses quand même pour t'amuser, enfin pour t'amuser, si un jour t'as le temps, l'envie, machin, tu prends un RJ45, tu le brosses directement à la box sans passer par la prise, et tu vois quelle est la différence, t'sais. Le delta va forcément te dire quelle est la qualité du câble, quoi. Mais là, en vrai, ça a l'air bien quand même. Mais c'est juste que faut savoir que pour ceux qui connaissent pas, depuis 2012, il y a des normes dans la construction des maisons et des appartements qui s'appellent les normes RT 2012 et qui font qu'il y a une obligation de mettre des câbles RJ45 dans les pièces qui sont le salon et les chambres. Ça, c'est une obligation légale. Néanmoins, les câbles, comment dire, les prises RJ45, c'est obligatoire. Mais la qualité du câble dedans, c'est pas du tout. Il n'y a pas d'obligation. Donc on peut très bien avoir des trucs avec des câbles totalement pourris, voire du RJ11, et même de la prise, il est vrai, et même de la prise pour le coup. Et on peut avoir des trucs qui sont pas du tout blindés, vraiment du truc de merde, voilà quoi. Donc moi par exemple, le guise est intervenu chez moi pour changer les câbles parce que c'était du RJ11 dedans, donc du câble téléphonique quoi. Hein? Mais ça, c'est donc important de checker ça. Mais bon, pour le coup, là, ça a pas l'air d'être ça. Tu n'utilises pas de VPN? Non. Ouais, bah c'est bizarre. Il n'y a pas vraiment d'explication, là. Si tu as une bonne call, le truc, il te dit que tu as 9 de ping. Je réfléchis deux Et secondes. après en game, ça peut arriver que des 70, je retombe à mes 29 de ping initial. Ouais, c'est bizarre quand même. Et ça en cours de partie, quoi. Pas instantané, quoi. Ouais, bon après C'est moi je regarde rare quand je jamais le pars avec ping. le même ping que dans le menu, quoi. Le GPU qui chauffe, hein? Quoi? Non. Et sur d'autres jeux, ça donne quoi? Oh, c'est pareil. Tu n'utilises pas de logiciel de pare-feu, d'antivirus de mes couilles ou des trucs comme ça? Non. Rien. Parfait, c'est celui de Windows. Windows est propre. Windows est propre et Windows est neuf. Ouais, ok. Le Bon. PC est pas vieux. Le PC, Ok. il doit avoir 6 mois à tout casser. Non, bah, normalement ça devrait marcher. Après, bon, c'est peut-être la co, hein, c'est peut-être la ligne. Hein, voilà C'est quoi. peut-être les câbles à l'intérieur qui sont pourris, hein, après. Parce que moi, les deux câbles que j'ai acheté du câble blindé en 2,5 GHz. Après, ce qu'il y a dans les murs et dans les prises, après, je Ouais, suis mais pas bon, dedans, le quoi. speed test l'aurait dit ça. Là, il t'aurait mis un truc à 80 de ping, tu vois. Je t'aurais dit, voilà, c'est pas, c'est chelou ça. Et après, on aurait donc fait un autre test de te brancher directement sur la box. Et si la box te disait 9 de ping en étant branché direct dessus, je t'aurais dit, bon, bah, on connaît le responsable, c'est le câble qui est dans le mur. Et si la box t'avait dit 80 de ping, je t'aurais dit, bah, le responsable, c'est Orange, du coup. Voilà, c'est comme ça. La box, c'est laquelle? La dernière? La dernière, la Live La 6, 6. là? Ouais. Ouais. Ouais, non, elle est bien en plus. Ok, bon, bah je sais pas. Checker la box si elle est pas, elle chauffe pas, tu vois, mais bon, en vrai, voilà quoi. Faut mets-la debout et fais en sorte qu'elle chauffe pas, mais bon, Va aller après je sais debout, pas. on va poser Ok. à l'air libre, rien qui est autour. Ah, c'est chelou. Bon, ok, bon, on va pas y passer de façon des heures, c'est pas ça non plus qui va faire que. Enfin, ça change des choses, mais bon, voilà. Si ça peut être réglé, ça peut être réglé, mais je pense que là, ça vient plutôt de chez Orange pour le coup. Après, il y a des lignes, bon, elles sont pas toutes parfaites. Le PTO, je sais pas, c'est de la merde. Pourquoi ne pas bloquer son data center dans les fichiers du jeu sur le data center Nord? Bah, c'est parce que ce qu'on essayait de chercher, c'est pourquoi est-ce que. Mais data center Nord, du coup, il n'y a pas de raison. Normalement, data center Ouest, si c'est. Bah, apparemment, ça a changé, mais Amazon, c'est Paris, et data center Nord, ça doit être Amsterdam, je pense. Donc bon. Il est plus proche de Paris que d'Amsterdam, tu vois. Ouais, voilà. Ok, bon. Ensuite, on va partir sur Rainbow Six, du coup. Sensibilité horizontale, verticale, t'as quoi? 10-10. Sur combien de DPI? 450. Ok, c'est bien. Nickel.
Rien à dire là-dessus. Sensibilité ADS, t'as quoi quand tu cliques droit? ADS 38. Non, il peut pas y avoir qu'une data. Ou alors tu l'as pas mis en avancée. Ah si, si, ben, 38 ADS classique à 38, x 1, 25, x 2, 5, 43, x 3, 5, 43. Attends, attends, attends. 143 ? Non, 43. Ah oui, ok, ok. Je crois que je dois avoir tes settings en fait. Oui, c'est possible. 25, 43, 43, ou 41, 41, 43, 43 et 68, hein, comme ça. Enfin, j'ai 43, 43, 44, 68. Ouais, ok. Oui, ok, d'accord. La fréquence de rafraîchissement de la souris, tu la connais ? Elle est à 1000 et je sais que je peux changer. Je crois qu'il y a une, on peut mettre à 2000 ou 4000 Hz. 4000 Hz, ok. Ouais, tu peux l'augmenter à autant que tu veux. Hein. Ça va pas changer grand chose. Hein. À moins que là, ça fasse. Sur 1000, mais c'est pour ça que je l'ai laissé sur 1000 en fait. Oui, c'est bien. Mais bon, voilà, si tu peux. Normalement, dans les faits, à moins que ça crée un truc de merde, voilà, tu testes. Mais bon, plus tu vas haut et mieux c'est. Hein. Plus tu vas haut et plus. La discussion entre ta souris et son PC est rapide. Voilà. FOV ratio, t'as quoi ? 87, 4 tiers. Ok, bah tout est bon quoi. 87, 4 tiers. Graphisme FPS moyen, t'as quoi ? 240. 250, je crois qu'il est bloqué même dans les fiches dans le jeu. Ok, bah une fois que tu as changé ton câble et que tu as acheté ton câble à 20 balles ou 30 balles, là, sur, tu prends un bon truc, tu vois, un bon display là sur Amazon, je sais pas combien ça coûte. Je crois que c'est. Ah, je suis sur Amazon.com, putain. C'est pour moi là que je regarde parce que j'aime bien savoir. Display 1.1. 4 visiblement, hein. Il n'y a pas au-dessus. Display 1.4. Alors, ils mettent tous 240 Hz, 240 Hz. C'est... Ah si, il y en a un qui met 360 Hz. Ouais, ça coûte 10 balles en fait. Les deux Licon là, 1m50, ça coûte 10 euros. Bon, ça va, c'est pas un... c'est pas la mer à boire. Ouais, sur Amazon, il y en a plein. Bon, faut prendre un petit truc tressé, machin. Ils mettent carrément 360 Hz. Ouais, bah, je le changerai celui-là. Ouais. Donc, bon gros cap des familles, là. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Une fois que tu l'as changé, bah, une fois que tu l'as changé, vu que tu vas être en 360 Hz, si ton PC ne descend jamais en dessous de 360 fps, bah dans ce cas-là, tu le bloques à 362 fps, ok, dans les fichiers du jeu. Ouais. Si parfois ton PC descend en dessous de 360 fps, dans ce cas-là, tu le laisses débloquer, c'est pas grave. Il sera tout le temps autour de 300, c'est pas très grave. Ok. Ok. Mais tu le bloques pas à 240 alors que tu vas mettre le rafraîchissement à 360, quoi. Ah oui, là, bah là il faut que je le change, du coup. Oui, une fois que ça sera fait. Donc ça c'est bon. Alright. Et maintenant on va aller voir ce que tout donne in-game et discuter en même temps. Ok, c'est parti. Alright. Alors du coup, je t'invite. Il faudrait que tu me donnes ton nom. Là, bah, pareil, Fred's 30. Ok, envoyé. Ça bouffe la batterie. Ah oui, c'est vrai. Bah ouais, j'ai Pro Super Light, elle est sur batterie. Quelle idée d'avoir du sans fil. Ah, je déconne. Ouais, bon, oui. La 5000 Hz, ça ira très bien. C'est pas ça qui va changer grand chose. Hein. Ah, j'avais oublié ça. J'avais oublié. Et n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de contenu sur le coaching, n'hésitez pas à vous sub et à soutenir. Alors, attends. Est-ce que tu as reçu l'invitation ? Oui, j'ai accepté. Alright. Hop là, je t'invite. Hein. Autrement, vous allez vous bouffer les pubs, quoi. Genre maintenant.
Aïe aïe aïe, c'est le Guise qui régale encore. Merci Aurel, merci pour Aurel, merci pour Kirito, merci pour Julaski, merci pour Arnaud et merci pour CoustiZ qui sont tous payés leurs droits grâce à la putain de générosité de Le Guise. Je vais reprendre une session coaching, tiens. Ouais, Nutella, ok. Mec, ça sert à rien. Joue en fait. Joue, mec. T'es flingué. Bon, là, il y a un mec de 45 ans. Donc, peut-être que je vais vous faire jouer ensemble. Peut-être que on va voir. Peut-être que tu vas enfin battre quelqu'un, Nutella. Ok ? Écoute, Nutella, de toute façon, je ne connais pas quel est le niveau de Fred, ok ? Mais on fait un truc. On se fait un petit truc. À la fin, tu joues contre Fred, ok ? Si tu perds, je nique ta meuf. Moi, ça me va. Est-ce que toi, ça te va ? T'en parles à Lolo ? Ok, tu m'as rejoint. Ok. Allez, en avant. Et on va partir en AI et on va voir ce que ça donne. Donc, je te l'ai joué, 1v5 contre l'IA. Et moi, je veux vous... Tu tryhardes, quoi. Allez. Tu sais que tu peux faire la blague en faisant slash me. Nutella a quitté le live. Parce que c'est très très drôle. Et ça, c'est un vieux truc qui date de l'époque MIRC. Donc là, attention, y a peut-être, Fred a peut-être connu, mais là, fallait être geek dans les années 90, quoi. Donc, ça vient de IRC. Et tu peux faire slash me, normalement. Voilà, comme vient de le faire slash hero. Si tu fais slash ME et après tu mets le truc... Ça aurait été plus drôle que ça ait fait ça, du coup, mais bon. Alors moi, je vais me TK. Enfin, je vais me tuer. Yo, Oni, comment ça va en parlant d'IRC, en parlant de vieux con de 45 ans? Il n'y a que des vieux dans le chat. Hein. Il n'y a que du quarantenaire, en fait, ici. Je suis plus sub. Ah, mais c'est normal, mec, hein. Il faut que t'économises. Hein. Faut que t'économises. Aïe, aïe, aïe. Eh, j'ai vu les trucs que tu m'as présentés à Nior, hein. Fils de pute, va. Grosse merde, va, Oni. Va bien te faire enculer. L'autre, je lui disais, peut-être que tu devrais te barrer de là où t'habites, parce que ça coûte un peu trop cher. Il me fait, non, mais à Nior, tout coûte cher. Le mec, il habite tout seul, les gars. Il habite tout seul. Il me fait voir des appartements de 94 mètres carrés. Je fais bénir ta mère, en fait, mec. 25 mètres carrés pour une personne, c'est très bien. 40 mètres carrés, c'est grand luxe. Il a un enfant, mais... L'excuse de l'enfant, elle est tellement bien. Et donc, t'as le charme de Bolo. Ouais. En fait, tu m'aimes pas. Mais si. Non, mais non, tu regardes pas mon live, tu regardes pas mon contenu, t'as le charme de Bolo sur mon live, enculé. C'est vraiment quel manque de respect. Enfin, c'est hallucinant. Mais ton charme, tu l'as plus, toi. Bah, il est toujours là, hein. Tu peux. Voilà, quoi. Tu l'as jamais eu ? Eh non, moi, j'ai attaqué sur. Ouais. J'ai attaqué sur PC il y a quoi, ça fait 4 ans maintenant. Ça fait 4 ans que t'as attaqué sur PC. Ouais. Oui, bon bah moi, mon charme est arrivé en 2020. Et... Oui, 2020 et... du coup, il a été retiré l'année dernière, mon charme. Hein. Ouais, mais... Ouais, ok. Non, mais...
Ok. Non, je connaissais pas les lives. Après, moi, c'est un collègue qui m'a fait rentrer sur ton Discord. Ok. Et après, j'ai suivi tes vidéos YouTube, mais après, je savais pas qu'à l'époque tu, enfin, à cette époque-là que tu streamais. En revanche, Bolo, tu savais. Et Bolo, non, je l'ai fait Bolo, je l'ai fait la saison dernière, je crois. Mais ouais. Et toi, tu l'avais plus déjà. Mais sinon, je me serais sub. Oui, bien sûr. Merci. Bien sûr. Je vais bien kiffer mon 1v1, moi, tout à l'heure. Allez, on se concentre un peu. Caïman, sub-toi, sub-vous là. Il me faut un jardinier. Je paye en amitié, je suis sympa. Toi aussi, Oni, là, sub-toi, fils de pute. Putain, c'est la galère. Yo, couscous. Super beau aujourd'hui. Ouais, vous êtes super radin. Toujours les mêmes qui régalent quoi. Il y a que Nutella et Luigi sur ce chat. Yo Thomas. T'es vénère, Six? Ouais, ta mère voulait pas hier, monsieur. Alors. Elle est décédée. Ouais, bah après, j'y suis pas allé de main morte, mais. Merci Baby Virus pour James. B
Je vais devoir payer ses droits. Bon, il y a des gens généreux là, qu'est-ce qui vous arrive? Merci Delta pour Nxia. Merci Couscous pour le fait d'être un nouvel étudiant au campus de la Salty Academy, t'es un monstre poulet. Train de la hype, mais qu'est-ce qui se passe? Merci Trigera d'avoir offert à Nidog ses droits de scolarité. Bientôt un train de la hype, mais on a jamais vu ça les mecs. Le Capcan. Contact à droite. Allez. Il a entendu. Contact à droite, contact à droite, contact à droite allongé, 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 contact à droite allongé. Train de l'hype là, vous avez 3 minutes pour le déclencher, bande de radins là. Oh, puis vous savez quoi, le déclenchez pas. Je serais tellement content. La fin de l'année, je vous dirais, vous savez quoi, les gars, je reste aux Philippines. Niquez vos races avec votre jeu de merde. Je me casse, ok? Oh, c'est bon, quoi. J'irai vivre là-bas. Pff, tranquille. Oh, franchement, je ferai des lives des lives commentaires de je sais pas quoi, là. React à la con, là. Merci infiniment, Delta. T'es un monstre poulet. On va vous refaire On Fire, c'est droit scolarité. Bientôt le train de l'hype. Tu feras des lives avec Norman. Hein, pourquoi il est aux Philippines? J'ai pas compris. C'est 5 centimes la pinte et 5 centimes la meuf. C'est vrai? Je suis en Thaïlande, pas se prendre l'apéro. Ah non, je vais aux Philippines en décembre. Thaïlande, j'ai déjà fait de nord au sud. Hey, vous arrive quoi là? Merci Trigera d'avoir offert à Croer ses droits de scolarité. On n'a jamais vu ça, les gars. Incroyable, franchement. Ouais. Bientôt, un train de la hip. Rendez-vous compte. Faut balancer des bits, je crois, pour le déclencher. J'ai jamais compris comment ça se déclenchait quand il te disait ça va se déclencher. T'es... Bon, je voudrais bien, mais j'ai plus de sous là. J'ai commandé le PC sur Floweb, j'espère. C'est combien le billet pour les Philippines? Assez cher parce que je me suis pas pris à l'avance. Donc je crois que c'est 750, un truc comme ça, aller-retour. Mais je pense que tu peux le trouver à 500 balles. Mais 680 ou 720, entre 680 et 720, c'est le prix moyen. C'est le prix moyen. What? Delta, comment t'as fait ça? Attends, Delta, comment t'as fait ça? Delta, comment t'as fait ça? Merci pour le train de l'hype. Comment t'as fait ça, frérot? On est d'accord que moi je vois un gros mon emote en très très gros? Avec un beat. Elle est trop belle, l'imote, hein. On l'a vraiment fait en bonne qualité, quoi. Merci infiniment, poulet. Merci, JL Falco, t'es un monstre. Merci, Trigara, pardon. Merci, Duditi. Et merci d'avoir déclenché le train de l'hype. Le RER de l'hype. Tu
tu agrandis tes emotes avec les bits. Et c'est pas possible l'inverse ? D'agrandir sa bite avec Y'a un mec derrière, non ? Qui s'y fait lol. Bon. Je me démute. Du coup, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Mais moi, je vous vois pas utiliser des bits, ça, en fait. Hein. C'est la première fois que je vois des emotes comme ça de toute ma life. Vraiment. Je vous vois pas utiliser de quoi que ce soit en fait. Moi. Mais bon. Ok. Alors, plein de questions. Du coup, quand est-ce que tu as commencé à jouer ? Alors, j'ai commencé dès le début sur console. 2015, du coup, décembre 2015. Oui. Ok. Ensuite ? Console jusqu'à il y a 4 ans. Ouais. En arrière. Ouais. Il y a 4 ans, t'es passé sur PC. Là, ça fait 4 ans que t'es sur PC. J'avais déjà fait un test sur PC quand ils faisaient les week-ends gratuits là. Ouais. J'avais une pote sur console qui avait un compte PC et un PC. Et un PC, elle m'avait prêté son compte pour essayer le week-end. Et j'avais essayé et... Ok, Fredo, et clavier... je te demande pas une autobiographie. Ouais, hein. Non mais vas-y, mais ça marchait pas. Dis-moi, du coup, grosso 2020, merdo. Ouais, 2020 PC et depuis toujours sur PC. Ok, ça marche. Donc 4 ans sur PC. Mais ouais. Tu connais le jeu depuis le début. Oui. Mais comment vous faites ça dans mon chat là ? Arrêtez ! Quand est-ce que t'as commencé à jouer du coup depuis le début ? Ok. Tu connais toutes les maps par cœur du coup ? Presque, quasiment on va dire, ouais. Ok. Bon, la question du coup. C'est quoi l'objectif du coaching ? Pourquoi le coaching ? Si tu me dis devenir meilleur, je viens à l'ES et je te sodomise. Corriger ce qui ne va pas chez moi ? Non, nul. Non, c'est pas un objectif, ça. L'objectif, c'est de... Pour moi, l'objectif, c'est d'aller toucher le diamant. Voilà, je ne vise pas plus haut. Je ne me prétends pas pour... mon objectif à moi, c'est le diamant. Et j'ai besoin d'un coaching pour atteindre cet objectif-là. Ok. Bon, déjà, ça, c'est un vrai objectif. Parce qu'il est visible, quoi. Il est palpable. Il est quantifiable. Ok. Donc, toucher le diamant. Ok. Pourquoi pas ? Quand ? Dans les saisons à venir. Tu ne l'as jamais fait ? Non. T'as toujours été un joueur, laisse-moi deviner, gold, plate. Plate, ouais. Mm-hmm. Ok. Que veux-tu que je te dise ? Ben, ce qu'il y a à corriger, ce qui va pas. Ok. Et si je te disais que je peux répondre à cette question en 10 secondes ? Ouais, je sais que tu peux. Ouais, je peux répondre à ça 10 secondes. Mais ce qui va pas, ça va pas te plaire. Ben, je suis là pour apprendre. Mais ce qui va pas, c'est ta vision du jeu. C'est pas ta vision du jeu dans le sens comment tu vois... Comment est-ce que tu... C'est ton absence de compétition, de compétitivité, et d'être ouais. Dans une logique de l'à peu près. T'es à peu près, tu fais des TDM, tu connais des maps qui sont à peu près ok... Tu tires de façon à peu près vers l'ennemi, ok ? Tu drones à peu près, d'accord ? Tu rentres à les endroits où tu maîtrises à peu près. Et bah, t'as un rang de l'à peu près, là. T'as exactement le rank qui correspond à ta psychologie, à la façon dont tu vois le jeu, à ton mindset. Mmh. C'est tout.
C'est tout. Je peux faire semblant de te dire il va falloir corriger ça, 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 ça. On va faire un programme pour faire en sorte que ça, 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 ça. Mais je connais trop des coachés, j'en ai fait plus de 250. Je sais exactement que exactement ce qui va pas. Et ce qui va pas, c'est pas le fait que toi tu t'attends à ce que je te dise tu devrais droner plus, fais plutôt ci, fais plutôt ça, etc. Tu viens voir le coaching comme si j'étais à la salle de sport en te disant ouais je pense que si tu soulèves plus comme ci ou plus comme ça ou alors que tu mets ton dos plus incliné comme ça alors tu vas prendre beaucoup plus de muscles quoi. Mais monsieur le coach je comprends pas, ça fait 5 ans que je vais à la salle de muscu et j'arrive pas à avoir des gros biceps et tout. Mais la vérité c'est que quand je te vois du coup faire ton exercice, quand je te vois faire ta séance tu vois, je vois bien qu'on est dans une logique de l'à peu près tu vois. C'est-à-dire que jamais tu vas jusqu'au bout de tes limites, jamais tu vas aller jusqu'à en musculation pour garder la métaphore, jusqu'à jusqu'à l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Et mais Rainbow Six, c'est un jeu qui se joue sur le détail. Donc ça peut pas être du domaine de l'à peu près. Il faut mettre la gueule dans l'écran, il faut avancer l'écran, ça demande vachement de. Je sais que parfois tu peux regarder des streamers, pas moi. Mais tu peux regarder d'autres streamers qui donnent l'impression qu'ils sont très très forts sans avoir besoin d'énormément de concentration. Mais au final, ils ont un talent qui fait qu'ils se focus et que chacun de leurs moves, ils le font avec une logique du détail, tu vois. Et c'est le mindset, là. Donc on peut discuter de toutes les problématiques. On va discuter de toutes les problématiques. Mais moi, je peux jamais mentir aux personnes qui viennent me voir. La vraie problématique, là, à l'heure actuelle, je le connais trop. C'est psychologique. C'est la façon dont tu vois et à laquelle tu joues à Rainbow Six. Tu termines le taf, ok? Tu dois avoir des potes sur Rainbow Six. C'est des amis à toi qui doivent avoir à peu près le même niveau que toi, ou peut-être un petit peu meilleur que toi pour certains, les plus jeunes, ou les enfants de ceux qui t'accompagnent. Tu pars avec eux parce que ça fait 5 ou 6 ans que tu pars avec eux. Tu passes à peu près 6 heures par semaine sur le jeu. Il y a des fois où tu n'as plus du tout envie d'y jouer, tu ne touches plus pendant 2 mois et tu vas jouer sur d'autres jeux comme The Division, Warzone ou je sais pas quoi, ou FIFA. Et puis parfois tu retournes sur Rainbow Six et tu te motives un petit peu comme le sport en disant « Allez, cette mois-ci, j'ai envie de devenir vraiment bon. » Je suis totalement à côté de la plaque ou pas du tout? Lâcher, j'ai jamais lâché pendant 2 mois, mais après, jamais. Non. Ok. Non, j'ai toujours, même dans l'échec, j'ai toujours continué, même s'il y a des jours, j'ai arrêté 2-3 jours, oui, mais après, j'ai toujours repris, et je pense que je suis à plus de 6 heures par semaine. Ok. Mais sinon, oui, dans ce que tu dis, oui, à part ça, tout c'est pas faux. T'as le bon setup. En règle générale, le setup du joueur casual, il a une G502, ok. Il a un tapis XXL, ok. Et il a rien que ça déjà. Rien que ça, ça en dit un peu long quand même, ok. Non, toi, t'as investi dans le setup, ok. Tu t'es fait plaisir sur le setup et tu t'es renseigné au moins sur les trucs à prendre. T'as pas pris de la merde. Non. Ok. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Néanmoins, il est vraiment important de comprendre que là, à l'heure actuelle, indépendamment du fait que je puisse t'apprendre des techniques et des trucs et te dire comment, voilà, machin, c'est comme monter l'Everest au final. Quand on dit c'est dans la tête, quoi, tu vois. Physiquement, mentalement, je sais que je peux donner tous les calls que je veux, enfin, toutes les techniques que je veux en disant « quand on va approcher de là, faudra faire attention à ça, faudra faire attention à ça, etc. » machin. Mais il faut avoir une volonté de dépasser ses limites et il faut être dans une logique de perfectionnisme sur Rainbow Six. On ne peut pas être dans une logique de l'à peu près, quoi. Hein. Donc déjà, pour moi, c'est tout con. Hein. Moi, je suis vraiment, on a le même âge quasiment. Donc, mais c'est comme une leçon de piano déjà. Déjà, la posture de la personne, pour moi, ça en dit long en fait. Moi, si j'étais prof de piano, j'ai jamais fait de piano, etc. Mais j'ai vu des profs de piano. Et en règle générale, déjà, les gens qui sont au fond de leur siège, on voit bien la différence quand on joue à FIFA avec des potes. Quand on est au fond du canapé et quand on vient mettre la fesse sur le bord du canapé.
C'est pas ouais, tout à fait la même chose. J'ai connu ça. Ouais, t'inquiète, machin, la pizza dans la bouche, en train de fumer un pet au fond du canap. Ok. En revanche, quand il y en a deux qui commencent à exciter notre ego en disant vas-y, je te prends avec machin. Ouais, toi, tu me prends. Ok, ça retrousse les manches, ça se met une fesse sur le bout du canapé et en avant. Mais Rainbow Six, c'est la même chose. Moi, c'est pas. Voilà, tout à l'heure, là, j'étais en train de faire le con, bah, je me faisais asmater. Je me faisais enculer tout à l'heure. J'ai fait 3 kills sur mes games parce qu'au final, je respecte pas le jeu. Et le jeu me le rend. Et sur Rainbow Six, c'est un jeu qui se joue au détail. C'est un jeu qui se joue au pixel sur les décals. À un niveau professionnel, ça se joue au pixel. Et ce n'est pas une façon de parler. Ça se joue au pixel. Aucun autre jeu ne se joue avec un si grand degré de détail. Pas Counter-Strike, pas Valorant, certainement pas Warzone et pas Apex. Aucun autre jeu ne se joue sur des décals qui parfois se jouent sur une ligne de 1 fucking pixel. Aucun autre. Donc, s'il faut faire des scans de 1 pixel, il faut absolument mettre la tête dedans, il faut être méga concentré et il faut avoir une vraie volonté de bien faire, en fait. Merci pour les 50 bits, Nawak. Nawak, pardon. Merci, mon poulet. Les 100 bits, pardon. Hein, voilà. Je détecte un petit accent du sud chez notre ami coaché. Ah ouais, ouais. Il est de chez toi, les Bouches-du-Rhône. Donc, merci Nawak pour les 150 bits, c'était un monstre poulet. Right. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je viens de te dire? Non, mais je suis tout à fait d'accord, hein, même sur tous les coachings que j'ai regardé, que tu as fait. C'est ça, c'est tout se joue dans le moindre détail, la moindre. Et c'est pas en restant avachi sur une chaise quoi, avec l'écran à 50 cm de soi que ça va aller mieux. Ok, bah je suis d'accord avec toi. Donc déjà, tu vois, moi quand on vient me voir en me disant j'ai envie d'être diamant, franchement, bah, le premier truc qui vient... Après, c'est ma façon de voir les choses. Je peux me tromper, ok? Mais moi, j'ai envie de te dire, putain, quel objectif de loser, quoi. Quel objectif de merde que celui de ne même pas rêver dans le jeu à accéder au grade le plus élevé. Tu vois, tu viens voir un coach sportif qui a fait des championnats du monde, qui a fait un Jeux Olympiques et tu dis, moi monsieur, j'ai juste envie d'avoir une bonne santé et d'avoir une bonne remise en forme. Mais non, viens, on va faire de l'haltérophilie en faisant, tu vois, viens, on va s'exciter un peu, quoi. Tu vois? Non? Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je dis pas que je le vise pas, mais mon premier objectif premier, c'est celui-là. Après, peut-être que sur le second, oui. Si j'arrive à plus... Mais vise la lune, t'atteindras peut-être dans les étoiles. T'atterriras peut-être dans les étoiles, c'est ce qu'on dit. T'sais. Ouais, non. C'est voilà, je pense que. Je dis pas que j'ai pas envie d'être champion, mais déjà 6 mois depuis un 9 ans de jeu, ne serait-ce que déjà arriver au premier but du diamant, parce que le champion n'existait pas à l'époque. Ouais. Pour moi, ça serait déjà un premier facteur acquis, quoi. Parfait, impeccable. On vient exactement de mettre le point sur l'élément qui fait que t'arrives pas à être champion sur le jeu. Ah, parce que je cherche pas à être champion pour l'instant. Non, mec, c'est la confiance en toi, là. Ouais, peut-être que je vais y arriver. Etc., machin, truc. Bah, voilà. Bah tu viens de trouver le vrai problème qui te bride à l'heure actuelle. C'est impossible de partir déjà avec un mindset de loser en se disant « Ouais, mais je serais déjà bien content en étant en diamant. » Tu vois ce que je veux dire? Quelle pauvreté, quoi, petit... C'est pas bien content, c'est content d'avoir atteint ce premier objectif que je me fixe. Mais non, mais va chercher le champion. Ah ben, si tu veux, on y va, allez. Mais non, c'est pas moi qui veux. Moi, je peux te montrer la route, hein. Après, c'est à moi de travailler dessus. Ok, ça marche. Tu pars déjà tout seul quand tu vas jouer en game? Très souvent. Tu vas je suis un peu dans le même cas que du dernier coaching que tu as fait, si je me trompe pas, c'est avec Seraph. Ouais. J'ai déjà fait, j'avais une collègue avec qui on jouait tout le temps, que tous les deux. Le plus souvent, de temps en temps, on avait 2-3 potes qui nous rejoignaient, mais c'était pas du régulier. Et très souvent, on finissait qu'à deux. On a testé d'autres Discord où tu tombes avec de l'élo champion ou diamant et tu te fais insulter parce que tu as pas fait le bon move au bon moment, quoi. Et moi, je trouve pas ça constructif.
te faire reprendre parce que tu as et qu'on t'explique le pourquoi du comment, oui, tu peux apprendre, mais te faire insulter, t'es qu'une merde, à cause de toi, on a perdu la game, ou à cause de. Enfin, peu importe ce qui a été dit, mais tu peux pas avancer comme ça non plus, quoi. C'est des mecs qui se prennent pour des plus forts que tout le monde et que. Ah, je qui sais n'a pas, moi j'ai toujours aucun. avancé comme ça. À chaque fois qu'on m'a dit t'es une merde, etc., ça a activé un truc en moi qui était en mode Oui, ah mais ouais, c'est comme il y a des ça, bah je vais bosser. ouais. Mais après, c'est sûr que si t'es dans une logique, ouais, mais bon, on m'a dit que j'étais une merde, donc du coup, bah franchement, Non, je pas trouve dans la ça, c'est logique pas défaitiste, sympa. hein, mais dans la logique où. Moi, j'ai du mal avec l'accompagnement en mode, tu sais, le coaching en mode suçage de zigounette, là, c'est Non, bien, tu pas peux mieux suçage de faire et zigounette. tout. Hein. C'est pas question de me faire, Non, mais c'est question j'essaie, il y a un entre-deux, bien sûr. d'expliquer la chose, voilà, peut-être sur un ton sec, en te poussant peut-être une gueulante, et après te faire insulter, c'est différent, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Mais bon, Et puis, moi, si je. tu te fais insulter, et puis le mec à la fin de la game, il se casse, quoi. Il quitte le Discord, il se barre, et puis Oui, mais voilà, c'est nouveau. pas non plus à l'autre d'être forcément là dans une logique de devoir expliquer à une personne qui part avec Ah, mais lui ce qu'il je suis devrait totalement faire. d'accord Tu avec vois ce que je toi. veux dire? Oui, je suis totalement d'accord avec toi, mais il y a quand même un minimum de respect à avoir. Je suis pas sa sous-merde, comme on dit. Après, C'est moi, des jeux j'insulte pas les vidéo et gens. un... Si, c'est des jeux ouais, vidéo non, et mais Internet. oui, bah après, voilà, il y a à boire et à manger, comme on dit. Moi, j'ai jamais insulté quelqu'un parce qu'il a fait un mauvais move. Après, ça peut arriver, c'est le jeu, c'est comme ça. Hein. Alors que moi, j'avais vraiment envie de t'insulter tout à l'heure pendant tous tes moves, en fait. Hein. Ouais, tu vois, comme quoi. Il faut tout pour faire un monde. Aïe, aïe, aïe. Six, dis-lui, laisse tomber, il y a trop de cheaters. Ah oui, mais bon, ça c'est un autre problème, Ben ça. ça aussi, c'est notre problème, ça aussi. Ouais, d'accord. Ok. Non, mais c'est important de bien cerner le truc, quoi. Mais Mais sinon, oui, très souvent, je pars solo. D'ailleurs, c'est pour dire, là, j'ai un exemple tout con. J'ai fait la saison dernière sur mon main, donc sur mon compte qui est là, j'ai joué qu'en full stack. À chaque fois qu'on devait jouer en full stack, je jouais qu'en full stack. J'ai fait 180 games et je suis resté P2. Je suis parti solo. Alors après, c'est peut-être la chance de tirage au sort des mates avec qui je suis tombé, hein, sur mon Smurf. Et j'ai réussi à monter Emerald 4. Oui, et donc du coup. Bah, du coup, le full stack, ça m'a pas plus aidé que de partir solo. Bah après, ça dépend des personnes avec qui tu parles, avec qui tu pars. Oui, bah, toujours les mêmes, hein, habituellement. Hein. Mais est-ce qu'ils parlent? Non, mais c'est Oui, pas possible, mais bon, c'est pas après, possible sur il y la a oui et durée, non, quoi. c'est pas possible sur la durée, du coup. Mais non, mais si c'est comme les autres gogolitos, là, de temps en temps, qui m'accompagnent, etc., qui me disent, ah, on va partir en full stack, et je me rends compte qu'au final, mais ça parle pas, ça a des petites voix comme ça, là, ça a le micro à 16 mètres, ouais, il est en B derrière toi, derrière toi, Danning, ah bah je l'ai dit. Mais niquez vos races, franchement, vous avez rien à foutre sur Rainbow Six. Arrêtez Rainbow Six, les gars. Arrêtez Rainbow Six, vous vous faites du mal, vous avez toujours pas compris. C'est un truc avec de la communication, il faut que ce soit pertinent, faut que ça gueule dans le Discord, faut qu'il y ait du dynamisme. Des milliers de fois, des milliers de fois, des milliers de fois. J'ai prouvé, j'ai dit, regardez ça, cette attaque, ils vont la gagner. Mais comment tu sais? Par rapport à la disposition des drones, des machins? Non, par rapport au dynamisme dans la communication, c'est tout, ils ont l'envie. C'est tout, c'est pertinence, tac, tac, t'as un problème? Ok, je viens t'aider, let's go, on push, il y a le mec qui est là, let's go, on le prend. Attends, j'ai la coupe, ok, là, bah, ça c'est bon ça. Là, il y a la bonne com, c'est bon, ça gagne ça. Ok? Vous avez pas la bonne com, Voilà. Après, s'il n'y a pas de bonne com quand tu meurs ou quoi que ce soit, de toute façon, tu peux pas avancer. Hein. Bah ouais.
Tu nous impressionnes sur le jeu. Oh, nique Voras, le Guise, nique ta mère. Impressionne rien du tout. Ah, ça doit être ça, le Guise. Mais non, mais c'est le Guise, c'est tout le monde, là. C'est ses enfants, là. Ouais, il est en B et tout. Encore que les gars, ça va. Je le maltraite un peu pour qu'il sorte de sa zone de confort. Mais non, mais comprenez que vraiment, le full stack, c'est intéressant que si la communication, elle est... voilà, quoi. Si tu fais de la communication avec trois pélos qui sont en mode... Attends, je n'entends rien. Et tu aurais fermé ta gueule, j'ai rien entendu. Ok ? Ouais, c'est sûr que lui, il faut lui dire, bah écoute, va te faire enculer, en fait. Voilà. Non, il faut que ça parle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Genre tout le temps. Genre systématiquement. On prend quoi ? On fait quoi ? On va où ? Ok ? On fait ça ? Attends, je peux t'aider avec ça. Dès la phase de ban. Dès la phase de ban. Ah, il faut qu'il y ait une envie de gagner. C'est tout. C'est pas League of Legends, c'est pas attends, ouais, mais on sait même pas où ils sont. Mais non, mais il y a plein de trucs à dire déjà. Bam, ils sont peut-être en haut. Ok, d'accord, attends, je mets un drone en bas et tout. Ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Ok, on prend le top. Ouais, vas-y, viens, on prend le top et tout. Bam, ça discute, c'est pertinent, etc. Enfin, c'est juste ça. Donc, si déjà tu pars avec des personnes qui font pas ça, mais tu les oublies en fait. Si les mecs ils disent ouais, j'aime bien faire un full stack et tout, tu l'entends jamais. Le mec est toujours mute là. Mute sur Discord, putain, en 2024 quoi. Mais niquez vos races ceux qui font ça. Et mute. Ah, désolé, j'étais mute. Rien de plus frustrant sur Rainbow Six que des gens qui sortent ce genre de conneries. À un moment, désolé, j'étais mute. Mais t'es mute pourquoi, mec? C'est moi qui ai 400 personnes sur mon stream. Toi, y a personne, tu stream pas. Donc t'es mute pourquoi? Non, vraiment. Là, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est ça part de là. C'est tout. Ça part juste du cerveau. C'est tout. Tout est dans la tête sur Rainbow Six. Si vous avez le bon mindset, etc., c'est bon. Si vous l'avez pas, j'ai presque envie de vous dire, bah, arrêtez Rainbow Six, les gars. Voilà. En vrai. Donc, ceci étant dit, quelles sont les choses que tu penses qu'il faut améliorer ? Dans ton jeu. Désolé, hein, c'était peut-être pas le truc auquel tu t'attendais, hein, mais moi je suis pas dans une logique où on vient me voir pour arrondir les angles. Je suis là pour dire la vérité absolue. Je cherche pas à ce que tu arrondisses les angles. Qu'est-ce que je pourrais faire améliorer ? Qu'est-ce que c'est qui bloque chez moi ? Que souvent je me dis que bah soit j'avais pas mes décisions, mais je drone quand je perds pas mes drones, je drone logiquement, je donne des infos, des fois je passe ma partie à droner pour les autres. Qu'est-ce que je peux... Donc en gros, là t'as un grade qui te correspond pas et tu sais absolument pas comment devenir meilleur. J'ai la peur de mal faire, en fait. Bah, je te parlais de confiance en toi tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais, mais là c'est difficile. Parce que la peur de mal faire, du coup, elle te stresse et au final, bah, tu fais mal, quoi. Oui, ça se sert à ce qu'il faut pas faire. Exactement. Le plus, c'est ça. Après parler, je parle. Qu'est-ce qui se passe quand un mec te dit « Tu pues la merde, t'es vraiment nul à chier sur ce jeu, désinstalle, connard. » Ça t'atteint ou pas? Alors sur le moment, je réponds pas dans le truc, mais quelque part, ouais, ça me touche un peu dans l'orgueil. Ouais, ok, mais ça, tu vois, mais ça c'est la capacité de résilience après. Ça, c'est de la résistance à la charge émotionnelle au final. Après, on n'est pas tous blindés de la même façon, quoi. Mais ce genre de truc-là, il faut que ça rebondisse sur toi. Ça ne peut pas te toucher. Ça ne peut pas te toucher. Si ça te touche, c'est parce que tu penses qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il a dit. Et ça, c'est de la... Comme je te dis, j'ai pas besoin de lancer le jeu, là. Pour moi, c'est tout ça se passe, tout se passe dans la tête. Tu vois ?
Donc, je peux te dire quels sont les meilleurs déplacements, quels sont les trucs, te donner des petits trucs, des petites astuces. Je vais te faire un programme qui va faire en sorte que si tu le suives, ça va bien respecter le truc, etc. Mais sache que c'est surtout le mindset. C'est surtout le mindset qu'il va falloir travailler pour avoir la bonne approche, quoi. Et arrêter d'être dans une logique de casu, qui n'a pas confiance et au final, qui n'aime pas mal faire, et blablabla, et blablabla, et qui se fait enculer par des petits cons qui sortent par des fenêtres et tu fais ah merde et tout. Ah, faut pas avoir peur, c'est pas possible. C'est impossible. La peur nous fera forcément mal faire. C'est impossible. Voilà. Il est classé quoi? Plate, du coup. Vous faites comme Monsieur. moi, ne commencez pas. Ouais, voilà, vous faites comme Oni. C'est pareil. Et qui respecte l'adage qui a été fait par ce grand sage, ce grand grand sage, qui s'appelle Homer Simpson. Je sais pas si vous le connaissez. Et qui a dit cette très belle phrase, essayez, c'est le meilleur moyen de se planter. Donc n'essayez pas, en fait. Ne faites rien, ok? Blindez-vous de plein d'excuses qui font que vous sortirez jamais de votre zone de confort. Vous avez toutes les excuses du monde. Toutes les excuses du monde. Et hey! Bon, parfois ça fait mal, parce que le déni, bon, de temps en temps, on se remet un peu en question. On se dit, si je me mentais un peu à moi-même, quand même. Donc ça pique un peu, mais voilà. Un autre sage a dit, tant qu'elle se lève, tu dois la mettre. Aucun rapport, mais j'aime bien. Ah, nique ta race. Du coup, on va partir en AI encore, et tu vas me dire ce Ouais. qui se passe dans ta tête quand tu joues. Donc tu vas m'expliquer tes moves. Yeah. C'est possible ça ou quoi? Ouais, je peux essayer. Non, tu vas pas essayer. Tu me dis Oui. ouais. Non? Ouais, coach. Voilà, c'est ça que je veux moi. C'est pas parce que t'es bon doyen que. Moi, j'ai pas démarré La meilleure des manières pour s'améliorer, c'est de jouer avec des mains plus forts que soi et du coup en face aussi. Oui, c'est sûr. Par contre, au Salty Festival, je ramène du carrelage et joint pour te faire bosser. Mais mec, moi, la différence entre toi et moi, tu vois, c'est que j'apprends. J'ai écouté ce que tu m'as dit et tout, j'ai acheté le carrelage, machin, truc bidule, voilà quoi, ce sera fait quoi. Et j'ai rebouché tous les trucs qu'il y avait à reboucher. Enfin, j'ai rebouché. Je suis extrêmement content d'avoir appris à régler les soucis que j'avais chez WAM. Et c'est très propre maintenant. Pas donc jardiner à New York ce week-end. Non, mais jardiner dans un jardin de Ça locataire. me vient de ping. Ça, faudra que tu check pour le coup. Je sais pas. Ah, merde. Ça me vient de ping. Ça me... Oui, c'est normal. T'embête pas. On est en IA de toute façon. Allez, c'est parti. Stop, tu fais quoi là? Je Je drone veux que pour voir tu s'il me y a pas. parles tout le temps, sans t'arrêter. Je drone l'open space pour voir s'il y a quelqu'un ou pas. Il y a personne dans l'open space, il y a personne à la mine. Ils sont où? Ils sont en bas. Ok, c'est quoi le plan de jeu? Personne du seul plan de jeu, normalement c'est jouer à la verticalité. Mais là j'ai pas pris quelqu'un pour jouer à la verticalité, donc là j'avance, je vais passer, je vais redroner pour passer à personne top carré ou dans le closet. Là il y a personne. Top carré, j'ai personne non plus. Archive. Archive, j'ai T'es en personne. 1v5 contre de l'IA. Du coup j'avance. T'entends quoi là? J'entendais pas. Ouais, où? En bas. Où ça?
Au niveau du serveur. Allez, vas-y, continue de parler, vas-y, tout le temps. C'était qui là, ça? C'était Alibi. Ok. Alibi qui a pêché. Ou sur site ou sur serveur encore. Ok, donc là t'es en fait échec quoi. Ouais, je drone. Il y en avait un là. Il y en avait un là? Ouais, il y en avait un là. Bah, il est mort. Il y avait le bandit dans le corner. Ah, il y avait le bandit, ok. Dans le corner. Bandit serveur, ok. Ouais. Bah, il y en a un capcan derrière la bombe, mais il s'en va. Ouais. Il y a un piège alibi derrière la bombe. Ouais. Un prisme. Une personne, j'avance. Stop. Ferme les yeux, en vrai. Il reste combien de temps au compteur, à peu près? Ouais, bon, c'est une minute. Rouvre les yeux. Bah, 15 secondes. Voilà. 15 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Il s'est passé quoi? J'ai perdu trop de temps. Ok, quoi d'autre? J'ai planté alors que j'aurais pu aller chercher ou... Ouais, la gestion du temps elle était mauvaise, mais t'as perdu trop de temps pourquoi? Bah trop de droning, pas avancé assez vite. Ok. Quoi d'autre? Allez, on remonte le problème, on remonte. Faut que ça percute là. Pas assez de manque de rapidité. Attends, drone pas, ça sert à rien. Comment ça, manque de rapidité? Vois quel est le problème quand même. Bah pour moi, perdu du temps, oui. Où? En haut. En haut, c'est-à-dire mon insertion au niveau de l'open space, le temps de tout droner. Ouais, insertion de merde en fait. Mmh. À un endroit qui servait à rien. Pourquoi? Oui, je passe trop loin de l'objectif. Et pourquoi? Et parce que j'aurais pu... Réfléchir. Parce que t'aurais pu réfléchir. Parce que t'aurais pu prendre 30 secondes de plus pendant ta phase de préparation où tu te disais quel est le meilleur endroit pour pusher contre de l'IA, quoi. Mais là, tu vas dans la bijouterie, hein. Tu vas dans le dirt, hein. On s'en bat les couilles, hein. Tu peux les jouer dans un tunnel en one by one. Pourquoi est-ce que tu vas droner le skylight? C'est déjà difficile de le faire à 5 et de perdre du temps en jouant sur la verticalité. Bam, bam, bam. Faut que ça percute, quoi. Donc, parfois, il vaut mieux prendre 20 secondes de plus pour réfléchir que d'éviter de perdre du temps et de partir dans un effet tunnel, quoi. Allez, c'est parti, il y a quoi? Barbelé, Banshee de Mélodie à la fenêtre. Ok, let's go, t'as envie de faire quoi, là, tout de suite, là? J'avais envie de le casser, mais je peux pas, j'ai pas l'accès, donc je vais passer par l'autre côté. Pourquoi t'as envie de le casser, etc. Rentre par le flag là à droite. T'aurais dû me dire que le mur est renforcé à droite et donc du coup ça crée une safe zone. Là tu t'exposes à énormément de lignes. De l'autre côté il y avait qu'une seule ligne. Et il est là le problème. Ouais. Et ça il faut se... Il faut réfléchir. Là faut faire marcher son cerveau. T'aurais dû rentrer par l'endroit parce que ça représentait pas de problème. Tu pouvais rentrer. Et étant donné qu'ils avaient fait l'erreur de renforcer à droite, du coup, t'avais une case qui était safe pour toi. Tu rentrais dans une case qui était beaucoup plus safe que la case dans laquelle tu viens de rentrer. Ouais. Des choses simples, en fait. T'aurais pu rentrer, péter le fil barbelé, quelqu'un t'aurait décalé quand t'aurais fait le fil barbelé. T'étais dans un Mélusie, quelqu'un t'aurait décalé aussi. Mais t'étais bien, au final. Let's go, il y a 2-0.
Et donc tout à l'heure quand je t'ai dit, c'est en haut, quand je t'ai dit ferme les yeux, c'était pour que tu t'aperçoives que tu prenais trop de temps par rapport au nombre de personnes qui te restaient, bombes à planter, etc. machin. Et c'était aussi pour que tu t'aperçoives que ne pas être en mesure de me dire combien de temps il reste, c'est déjà d'avoir une mauvaise gestion justement une mauvaise représentation du temps, et donc, ou alors de pas aller chercher l'information assez. T'es en attaque, tu dois toujours regarder. Tu viens de faire un kill, tu checkes le timer. Faut toujours aller chercher l'information au top de l'écran. Hein. Pas perdre de temps, tu vas où, tu fais quoi? Je passe par le trader. Ok. Là, t'es mort si t'es champion en face. Hein. Droite de la fenêtre. Ouais, il est parti. Ouais, ok. Il y a un 4-1 là à la porte, là. Il y a le multi-drone. Là. Ils m'ont pété mon drone. Ils m'ont pété mon drone, j'ai plus de drone. Qu'est-ce qu'il y a? Nul. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ah ben, je sais. C'est quoi le problème? Enfin, le problème, plus de drone, manque d'infos, prise d'infos en face check. Voilà, si après un détail pixel, si je le vois pas suffisamment tôt, ben c'est lui qui m'a. Cool. Combien de fois t'as lancé l'IA en 1v5? Quelques fois. Sauf qu'après je suis parti que sur du deathmatch. Tu fais que du deathmatch toi? Pour me chauffer, oui. Tous les jours du coup? Ou alors, oui. Ok, quand est-ce que tu considères que t'es assez chaud? J'essaye de faire minimum une heure. Donc en termes de temps? C'est oui. En termes de temps que tu t'arrêtes. Tu décides que t'es chaud au moment où... Ouais, quand je... Quand les réflexes sont là, que ça frappe assez bien, oui. Au bout d'une heure, généralement, rarement je fais moins, quoi. Ok. Sauf si j'arrive vraiment trop tard chez les collègues, avec les collègues, où je vais peut-être faire une quart d'heure, une demi-heure, et après. Mais sinon, j'essaye de me chauffer une heure avant de manger, et je refais 3-4 games après manger, et après on part en rank. Cool. Le diamant, tu veux l'atteindre quand? Ou ton champion, tu veux l'atteindre quand? Enfin, t'es ok de l'atteindre dans combien de temps? On est quoi, la saison 2 Ok, laisse-moi reformuler cette question. T'es prêt à ne pas faire de ranked pendant combien de temps? Si je te dis, si tu fais pas de ranked pendant ce laps de temps, tu oui. seras champion. Ben, combien de temps tu penses que tu peux te tenir? Le temps qu'il faudra. D'accord, c'est-à-dire que si je te dis jusqu'à fin 2024, t'as le droit de faire zéro ranked, tu me dis oui. Oui. Tes potes vont te dire, vas-y, petite ranked, allez, s'il te plaît, Fredo, on est samedi soir, il veut pas casser les couilles, ce 6-4, là. Et tu diras non. Non. C'est marrant, j'y crois pas, ça. Il y a du standard, hein, ça ressemble à de la ranked. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas la map des maps et des joueurs.
Moi, je vais donner un programme, Fred. Je vais tout te donner, ouais, etc. Machin. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai voilà. Moi, je suis coach sportif. Tu viens me voir. Le problème, je pense, il est sur ta façon de voir le sport et la façon dont tu viens à la salle. C'est tout. Et ça, je peux pas. Je peux pas. C'est des changements entre guillemets, si je puis dire, psychologiques qui personne ne change en fait. Hein, tu peux vérifier avec le tracker. Mais non, mais moi je vérifie rien après. Moi je donne les choses parce que je sais très bien que mon programme permet d'arriver à l'objectif qui est fixé. J'ai aucun doute sur le fait que les gens qui respectent mon programme parviennent à l'objectif qui est fixé. Aucun. Partant de ce postulat-là, bon bah, si l'objectif n'a pas été atteint, c'est qu'à un moment il y a eu un problème dans le programme. Tu vois ? Parce que, enfin, je parlais au chat. Ouais, non, mais j'écoute aussi. Tu joues des shields parfois ou pas du tout? J'ai essayé. Ok, quelques fois. C'est quoi t'es les opérateurs que tu joues majoritairement? Je suis plus dans le soutien. Je peux jouer Thatcher s'il est dispo, Intermit, un Ace, une IQ. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je joue? Donc tu prends souvent des Breachers, des trucs comme ça? Je peux, si personne ne le prend, je peux prendre. Oui. Hey, attends, c'est pas tout à fait ce que j'ai demandé. C'est quoi les opérateurs que tu joues le plus? Que je joue le plus, ouais, c'est dans ce que je t'ai cité. Ouais. Bah, mais, oui, mais lesquels? Plutôt IQ ou plutôt Thermite? Parce que c'est pas tout à fait pareil quand même. Plutôt IQ. Je suis en position 1. Après, si je dois jouer support, ça me dérange pas du tout en fait. En fait, je m'adapte à ce qu'a besoin l'équipe, généralement. Et pour la défense, pareil, j'ai pas du style à prendre toujours une Cavera qui sert à rien, ou je préfère prendre plutôt un bandit pour renforcer les murs ou un mute. Quelque chose qui peut retarder l'attaque pour ouvrir les, à tout ce qui est T1 ou T2. Il se passe quoi quand t'as perdu une ranked? Ben, il se passe que je suis pas content. Waouh! Wow, toi, et qu'est-ce qui se passe quand t'es pas content? Tu fais, franchement, là, je suis pas content. Non, il se passe que je suis pas content. Après, parce que ça communique pas ou parce que ça. Il crie zut, on me dit dans le chat. Zut alors. Non, mais Fred, il faut que t'aies envie d'enculer des darons un peu. Hein. Mais moi, si j'ai envie. Mais t'as pas envie d'enculer des darons! Dans tes mouvements, t'as pas envie d'enculer des darons! Il faut tryhard, putain de bordel de merde! Faut aller lécher des arêtes, là! Faut bouffer du mec, là! Les petits fils de pute, là! Dans leur Discord de merde de 15, 16 ans, 17 ans, là! Faut les enculer! Faut avoir envie de les défoncer, ok? C'est ça qu'on veut! Faut droner derrière! Faut se battre pour son drone! Faut se battre pour sa charge de thermite! Faut se battre pour le truc, quoi! C'est ça qu'on veut! C'est ça qui fait que derrière on est champion, quoi. Et même si indépendamment du fait que ouais, mais quand je vois jouer chez Eco, bah, il a l'air plutôt tranquille, ok. Mais c'est le fucking mindset de l'enculage, quoi. Faut avoir envie, quoi, tu vois. On peut pas être dans cette logique de passivité, je pense pas. Non ? Il est peace and love. C'est Twitch friendly, ça ? Ben oui, j'ai dit enculer des mineurs. C'est Twitch et YouTube friendly. Hein. C'est un métier de charreau ici. C'est un métier de pointeur, donc bon. Forcément que ça passe. Hein? C'est ça qu'il faut. Bon, on fait quoi? On fait un 1v1 ou on va en ranked ensemble? On va en game ensemble? Si tu veux faire un 1v1, ça me dérange pas. Ah, je vais t'enculer. Je te jure, tu me redis encore une fois, ça me dérange pas, ou un truc de bisounours. Bah, viens un 1v1, alors viens. 1v1, ok. Ouais. 1v1, combien d'euros? Combien d'euros? J'ai pas d'argent sur moi. Comment ça, t'as pas d'argent sur toi? T'as ramonné de la cheminée cette semaine ou pas? Non.
Là, tu ramones pas des masses en été? Ouais, l'été, c'est plus ça. Une période pour la rentrée, au plus. Parce que les gens, ils préparent à partir de septembre jusqu'à décembre. C'est là où les ramonages sont le plus demandés. Ouais. Ok. T'as une femme? Oui. Des enfants? Oui. Un chien? Non, ma femme a deux chiens. Ouais. Une Dacia? Non. Ok. Une Skoda? Oui. Arrête Rainbow Six, va sur Warzone, Fred. Fred, non, arrête. Warzone, arrête. Non, pas Warzone. Va pas sur Warzone. Non, c'est le jeu qui est fait pour toi. Ça tire tout seul, Fredo. Fredo. Non. Fredo, t'as abandonné. Non. T'as abandonné. T'as des enfants? Oui. Combien? Deux. T'as deux enfants, tu roules en Skoda, frérot. C'est fini, Fred. Tu vas pas, tu t'es plus un enculeur maintenant. T'es trop gentil. Il faut. Il a 45 ans. T'es une ordure. Mais je suis vraiment un gros fils de pute. Hein. Je suis vraiment le plus sombre des fils de pute. Mais j'ai envie de le trigger en fait. J'ai envie de trigger ce côté-là. Oh, mais on dirait le Guise. Vous êtes tellement gentil et tout là. Oh, bah aujourd'hui, j'ai mangé une petite Haagen-Dazs d'un kilo et tout. Oh putain, je sais même pas comment vous faites quoi. Ouais, bah là, on a perdu une ranked, mais bon, c'est pas très grave, faut pas s'énerver. Mais comment ça, faut pas s'énerver, putain? Hein? Le Guise, vous êtes les mêmes! Vous êtes les mêmes, tous les deux! Hein. Je reste courtois pour le stream. Non, est-ce qu'on... Non. Est-ce que son temps de réaction diminue par rapport à un jeune? Mec, j'ai 40 ans, je te nique en 1v1. Mon temps de réaction, faut arrêter ça. Encore une excuse, ça. Encore une excuse. Non, mais les gars, il y a des footballeurs qui viennent de faire l'Euro à 42 ans. Bon, c'est Rainbow Six, les gars. Hein croyez-moi, l'avantage de Rainbow Six, c'est que même si t'as pas le temps de réaction, tu peux toujours niquer des gens. Hein. Vraiment. Suffit de faire marcher son cerveau. Let's go, 1v1. Oh, j'ai envie de te faire jouer contre le Guise, je te jure. Aïe, aïe. Le pire, c'est que je sais que tu le défonces. Le pire, c'est que je sais que tu le défonces. Je sais pas. Mais tu n'as pas d'ego en fait. Tu n'as pas d'ego. Ton ego n'existe pas. Il n'y a rien qui te heurte. Je ne suis pas prétentieux. Mais t'as zéro ego. Elle s'appelle comment ta femme? Sonia. Ah bah tu sais quoi, hier soir Sonia, elle était à la maison. Tu vois, ça te fait rigoler. Mais c'est horrible les gens comme ça qui s'énervent jamais là. Parce que je savais que t'allais se sortir ces conneries-là. Ah oui, bah ouais, on a ramené. Et bah moi aussi, j'ai ramené la cheminée. Ouais. Et ça, le mec, il s'énerve jamais. Vous avez pas ce côté compétitif, là. C'est ça qu'il faut sur Rainbow Six. Non? Aïe. Ça me fume parce que ça fait 3 jours que j'ai full game, 10 kills, full MVP, ça roule sur les mômes qui pleurent dans le micro. Mais c'est ça qu'on veut, là. Faire pleurer les gamins. Custom, 1v1. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Derrière cette volonté de tout tourner en dérision, etc., il y a une part de vérité derrière ce que je suis en train de dire. Je l'ai déjà dit à une personne qui était exactement dans la même... Vous étiez similaire en termes de joueurs, tu vois. Et je lui ai dit, malheureusement, vous êtes dans une logique de l'à peu près, tu vois. Ok ? Et c'est vraiment quelque chose de psychologique. D'avoir cette volonté de la gagne, cette volonté de la perfection au final, ce perfectionnisme. Parce que Rainbow Six, c'est un jeu qui joue dans les détails. C'est un jeu qui joue dans les détails, énormément de détails. Et on peut pas être dans la logique de l'à peu près, tu vois. Le bandit qui t'a enculé derrière la table sur Dining, mais c'est grotesque. Et j'utilise des mots forts pour que ça te heurte volontairement. Mais je sais que ça te heurte pas. Je le sais bien que c'est grotesque, parce que j'aurais pu le droner avant de rentrer. Oui. Je l'ai pas fait. Ok, let's go. T'as déjà été pro? Non, moi jamais. Moi, je suis que créateur de contenu, moi, mec. J'ai commencé à Rainbow Six il y a 2 semaines.
Il est juste trop gentil comme moi. Mais moi, je te soulève en 1v1. Oui, bah c'est bon, toi, l'autre, il sauce la bite, là. Vous me faites chier, les gens gentils, là. Elle a tête dans l'écran là. Bah si je mets la tête dans l'écran, je vais avoir le micro derrière. Combien il est de centimètres l'écran là? 24 pouces. Non, mais de ton nez. De mon nez, je sais pas, 30 à peu près. Ouais, 25-30 max quoi. Ouais, un truc dans le genre. J'ai pris au top. Non, mais t'es pas obligé de le dire. Hein. Moi, je vais droner. Hein. Je vais pas le perdre comme le dining. Hein. Sheiko, c'est 2. Sheiko, son nez touche. C'est Sheiko, son nez touche l'écran. Exactement. Riyad, prends un sub avant de poser. Tu me fais chier avec tes questions. Casse tes couilles là, c'est pas un FAQ ici. Pff, ah, vous êtes chiant. J'ai une page Wikipédia si tu veux, frérot. J'ai pris qui comme opérateur? J'ai pas eu le temps de voir, t'as cassé la caméra. Ouais, t'as pas entendu le bruit du shoot? Non. Ok, merci Nutella d'avoir offert à Riyad ses droits de scolarité. Et si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à sub, hein, parce que là, vous êtes un peu... bah, vous êtes des rares, en fait, quoi. Non, bouge pas. Je suis où exactement? C'est sur le balcony. À une fenêtre. C'est catastrophique, ça. Ça, c'est catastrophique comme réponse. Non, c'est pas sur le balcony, fenêtre. Je suis là. Regarde la librairie. Ok? J'étais là. Bah voilà. Tu m'as pas entendu, pourquoi? Parce que t'es pas allé venu me chercher déjà là. Déjà, avant de vouloir de Rainbow Six, c'est déjà de l'information, d'accord? J'ai eu le temps de casser une fenêtre en mettant 3 punch holes dedans que t'avais pas pris cette information-là. Faut y aller, quoi! Faut se bouger le cul, bordel de merde! Faut aller chercher l'info, faut checker la caméra. Une fois que t'as vu la caméra, t'as vu où est-ce que j'avais spawn, puisque j'ai cassé la caméra. Tu savais donc où j'avais spawn. Tu viens casser les vitres, parce que c'est les vitres qui vont te donner l'information. Et tu viens chercher l'information la plus loin possible. C'est valable sur Rainbow Six, c'est valable au snowboard, c'est valable au surf, c'est valable dans les voitures, c'est valable quand t'atterris avec un avion. Tu vas chercher l'info la plus loin possible. Let's go, parti, on peut jouer. 20 secondes, j'arrive, je suis dans la chambre. Tu me tires pas dessus là? Tu veux me tirer dessus ou pas? T'as un petit air de Jean Reno quand même. T'es content de ton move là? Moi? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais non, mec! Est-ce que t'as envie d'éclater un truc chez toi là?
C'est de la merde, c'est de la merde. Voilà. De merde. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'était de la grosse merde. Ouais, nom de Dieu. Merde. Non, 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 mais. Attends, tu m'as vu là? Faut viser dessus là. Faut se donner dessus là. Ton drone, tu le perds pas. Je suis où? J'ai fait quoi? J'ai qui? Ok. Je sais pas, j'ai pas eu. Ok. Aller chercher mon drone. Ouais. T'es content de ta décale là? Non. Pourquoi? Trop large. Trop large, c'est-à-dire? Bah trop ouverte, c'est trop décalé. Tu me respectes pas? Non. T'aurais dû faire quoi? Le resserrer. T'aurais dû faire quoi au moment où t'es rentré sur le site? Prendre la ligne. Quelle ligne? La ligne de la porte là où je suis, là où j'ai trop décalé en fait. Il y avait la porte qui était en face de toi, ligne de gauche. La porte qui était en face de toi, ligne de droite. Tu savais que j'étais pas dans le closet, on est d'accord? Oui. Il y avait donc en ouvrant la ligne que t'as ouverte, il y avait la possibilité que je vienne de la kids bedroom, la petite chambre. Donc légèrement à gauche au final de la porte. Puis là où tu m'as tué. Ça fait 4 lignes où tu me respectes pas. Bon après tu sais que je suis pas de l'autre côté, on est d'accord. Mais pourquoi ouvrir ta ligne? Pourquoi ouvrir ta ligne? T'es en train de caper l'objectif. Ouais. Y a pas besoin? C'est exposé pour rien. Bah exactement. Là tu m'as donné la possibilité de te tuer là. Ça sert à rien. Prends l'info loin. Ça commence par les cams par exemple, ça aurait pu être cool hein. J'ai qui? J'ai pas vu. H. T'es sûr? Oui. H ou RAM. Bien joué. Ok. Pourquoi je prendrais RAM? Pourquoi H? Non, ça te passe dans la tête au moment où t'es en train de me dire ça? Parce que c'est pas... Pour la verticalité, mais après H... Ok, ok. Donc il y a plus de chances que ce soit quoi? Plus de chances que ce soit H. On est d'accord. Viens me chercher là quand je m'allonge là et je te respecte pas là. Ouvre ta ligne là. Ouvre ta ligne. Ah tu viens là. Tac. Tu fais pas des chécopiques là. T'ouvres ta ligne. Tu décales large, tu décales large, tu décales large quand tu sais que t'as l'avantage. Quand je suis allongé là.
Là, tu décales large. Quand tu sais que t'as l'avantage, bah après, faut voir quand est-ce qu'on sait qu'on a l'avantage ou pas, mais. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Tu t'es un peu enfermé dans un coin de merde quand même, quoi. Ouais, sur le coup, ouais. Tu me vois là? Non, j'espérais que tu sois là. T'es pas sur le live quand même? Non. Non, non, c'est sûr que je suis pas sur le live. J'espérais que tu sois là parce que je pensais que tu avais pris une ligne pour moi, ça, m'attendre de sortir de la kids. En fait. Ok. Non, du coup, j'ai tenté un wallbang, mais sans conviction, mais bon, ça a touché. Tranquille les gars, le but du jeu c'est un outil pour moi le 1v1. Ok? Je vous l'ai montré la semaine dernière. C'est quoi qu'on entend derrière? C'est Sonia? Non. C'est le chien du voisin. Ah. Tu as pété la cam cuisine. J'ai qui comme opérateur? Je sais pas. Le bruit de l'arme. Proceed to its location.
Ah putain. Il semblait bien t'avoir entendu avancer quand. Pourquoi bouger? Pourquoi bouger? Et pourquoi venir me challenge? Tu veux qu'on la joue au forceps là? Mais les déplacements que tu faisais, ils étaient pas très très propres quoi. Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Ok, pars du principe à partir de maintenant que t'as un niveau de mécanique micro, hein, je parle pas de placement, etc. Mais t'as un niveau de mécanique qui te permette d'avoir une opportunité sur une ligne. Et vraiment, il faut que tu retiennes bien ce truc-là et tu l'imprègnes dans un coin de la tête. T'as le droit d'avoir une opportunité sur une ligne. Mais tu repiques pas au même endroit. Non, là je suis sympa là, avec si toi, je suis sur démo, si c'est tout. Rates, c'est... Bah oui, si tu la rates, c'est comme... C'est sûr de mourir. C'est shoot and forget. C'est aussi simple que ça. Tu tires, tu te barres. Et la prochaine fois, bah tu seras meilleur. Et tu rateras pas ta balle. Mais tu repiques pas au même endroit, là, non. Ok, tout à l'heure tu me disais la gestion des drones, etc. machin, mais tu les perds souvent tes drones en AV1 là. Pourquoi tu pars pas avec tes deux drones par exemple? Op 4 found the biohazard container. Bien joué. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Ok, c'est propre ça. Bonne sortie du drone. Je voulais vraiment te niquer. Je voulais que tu vois ta mort arriver. Je voulais pas casser le drone. Je voulais que tu dises oh mince, il peut me tuer pendant que je drone. Mais je pensais que t'étais dans l'escalier en bas. Find the biohazard container location. Good work. En revanche, pourquoi IQ? Quand est-ce que tu réfléchis pour essayer de proposer des trucs en mode me casser les couilles, tu vois, en disant tiens, pourquoi pas tenter ça, machin? Pourquoi IQ? Je te vois que avec une IQ à coq silencieux tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas l'opérateur en plus le plus versatile, quoi. Pour les pièges là, mais ouais. C'est vrai que généralement tu joues plus Solis, Azami. Ouais, mais ok. Ok, bien lancé de C4, dommage. Allez, on fait quoi maintenant? Déteste les boucliers quoi. Ah bah tu vas me détester pour ce que je vais dire. Tous les joueurs Platinum Emerald détestent les boucliers, pensent que les boucliers sont même broken. Et le truc incroyable, c'est que ils sont persuadés que les boucliers sont broken, sauf quand c'est eux qui les jouent, parce qu'ils sont nuls à chier avec les boucliers. Dis-moi, tu prends jamais les shields? Jamais. Ah ouais. Jamais, parce que je sais pas les jouer. Eh ben, tu viens d'avoir la raison de pourquoi tu les aimes pas et je t'aime pas à jouer contre eux. Je vais prendre un montagne si jamais je fais une game pourrie. Oui, mais montagne, c'est comme Clash, y'a pas besoin de jouer, y'a rien besoin de faire. Tu le laisses en extended et t'avances.
Bon voilà, après il y a jouer montagne et jouer montagne quoi. Mais je viens de te dire, la raison pour laquelle tu es mauvais contre les blitz, c'est parce que tu es mauvais avec le blitz. C'est aussi simple que ça. C'est comme dans League of Legends, hein. Si tu veux apprendre à jouer contre un bonhomme, il faut apprendre à jouer avec ce bonhomme. C'est là que tu connais ses défauts et ses qualités, etc. Voilà quoi. Et c'est, tu perds trop tes drones. T'es en 1v1. Bah ouais, mais bon, quoi. Tu es tombé en plein dessus, quoi. Mais non. Non, remonte le problème. Oui, mais il fallait que je le cache bien avant, mais... Bah ouais, oui. J'ai pas vu le trou dans le mur. C'est ça le problème. Ouais, je savais pas où tu étais non plus. Je t'avais entendu bouger, ah oui. Je sais pas. Ah oui, je parce que là, visiblement. Enfin, moi je trouve que le deuxième problème est plus compliqué que le premier quand même. Hein. Ah, tu vois, entre. Ah, j'ai pas vu le trou dans le mur. Ça, c'est un faux problème. Et j'avais aucune idée de là où t'étais. Ça, c'est quand même plus un problème de Rainbow Six, quoi. Qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mauvaise gestion du drone. C'est tes seuls amis. T'as pas le droit de les jouer en mode Rocket League. Tu veux savoir comment joue un très très mauvais joueur de Rainbow Six? Ok. Il drone tout droit, comme un gros débile, jusqu'à ce que son drone soit cassé. Il drone tout droit, comme un gros débile, jusqu'à ce que son drone soit cassé. Généralement, c'est ce que je fais pas. Bah voilà. Ah non, si tu veux bien jouer, du coup, bah tu fais pas ça. Tu fais en sorte de droner en anticipant, du coup, où vont être les mecs, où est-ce que tu peux rencontrer quelqu'un, et par définition, où est-ce que t'as pas envie qu'il y ait quelqu'un, quoi. Et tu préfères te dire, bon, je préfère laisser mon drone à la limite 2 cases avant le bomb site, ok ? Ou à l'endroit où je vais m'insérer, mais avoir mon drone, que de plus avoir de drone du tout. C'est comme la charge de thermique, la charge thermite. Je préfère ne pas péter ma deuxième charge thermite et n'ouvrir qu'à 30 secondes de la fin que de se faire péter 2 exothermiques et pouvoir ouvrir du tout. J'ai kill. Hein. T'as entendu tirer, non? Oui. Avec quoi? Le pistolet, non? Ouais, lequel? Je suis de retour mort de rire. Enfin, j'ai enfin du temps et un PC. Tu te souviens ce que je t'ai dit sur le fait de repiquer? Là, t'étais mort. Là, je suis gentil, je tire pas. Là, tu es mort. D'accord? C'est pas une question de je t'aurais raté, etc. Ah, là, ouais, ok, pourquoi? Parce que t'as tiré à un endroit, t'as pas fait un shake au pic. Ok, let's go, on se la joue. Bien joué. Parce que tu repiques au même endroit et c'est un endroit trop obvious pour le coup. À la limite, tu peux shake au pic.
Mais dans ce cas-là, c'est une mécanique qui s'apprend, ça. Le fait de swinger son épaule et de balancer son épaule pour voir si je vais tirer, justement. Mais tu peux pas être en fait échec en disant « Ah, merde !» Si tu sais pas où je suis, surtout que tu savais à peu près où j'étais, puisque j'ai volontairement punch dans la barricade. Merci Yugin pour les 39 mois, t'es un monstre, poulet. Bon, je me mets 2 secondes. Bon, ça, il a compris. On va voir s'il sert de l'IQ. Qu'il aime bien IQ. Je lui indique volontairement où je suis. Il aura fallu qu'il pousse sur le site. Là, je pense qu'il est devant la porte du garage. Ok, let's go. Bon, on se la colle maintenant? 500 euros? Attends, t'as gagné. Improbable, si tu m'as laissé gagner. Non. Si, si. Ouais, pas non. Du tout. Franchement, je serais toi, je parierais ces 500 euros. C'est gagné. Non, tu m'as laissé gagner. Non. C'est pas pareil. Mais pas du si, tout. Si. Ouais, bien sûr. J'ai eu une technique tout à l'heure pour ouvrir le mur, entrer douane sur border, mais il est électrifié, c'est abusé. Ah ouais? Avec quoi? Fabrique? Le mur entrée douane sur border. Il n'y a pas de mur entrée douane. Ah, dans... ah oui, d'accord, le passeport. Passeport douane. Avec quoi? Avec un thermite au-dessus? On se partit maintenant, je tryhard du coup. Vas-y. Bon courage, 500 euros hein, du coup. Ok. Moi j'ai pas dit oui. Si si. Il a pris quoi tout à l'heure? Bandit non? Tu trouves c'est utile le coup de couteau? Hein quoi? Il parle pas de jail. Bon, tout le monde connaît la prison. Entrée douane, c'est le seul endroit où ça correspondait. Il a pas un mauvais shoot en revanche. Il a pas un mauvais shoot. Bof, pas ouf. Minouchette, ferme ta gueule. You need to locate the biohazard container. Biohazard container located. 10 seconds to insertion. 5 seconds to go. C'est bien ça. Prendre l'info déjà.
tu en rappelles là, parce que j'ai peur. Faire semblant de pas le voir. Ah, il est con. Du coup, je vais le flasher à droite, il va pusher à gauche. Quand il était allongé par terre. Garage, mute, un peu relou. Oh, je vais pas commencer à roamer. Hein. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Off-board drone on the biohazard container. Ah, putain. Ah putain, plus cher le drone, enculé de. D'enculé de. D'enculeur de pas cocher de merde. Ah, il m'a pété le drone, franchement. Pourtant j'avais bien joué, mais j'ai complètement oublié la possibilité qu'il puisse être en bas. Et alors là, plus cher d'enculé de porcelaine. Ah, il a bien joué, il a bien joué. Ah, mais c'est de ma faute. Hein. Ah, c'est de ma faute. Ah, putain, qu'est-ce que... Tous les mecs du Sud, je les déteste. Avec leur accent du tiers-monde, là. Jamais il va pas me respecter. Droite ou gauche, vous pensez? Tu joues du mute et t'as pas muté le mur. Ah, il est à gauche. Il m'a vu. Ah non, il est à droite. Il est vraiment en train de tourner là? J'ai été gentil, hein. All friendlies were eliminated. Oh, il y a eu un petit truc où... J'avais encore envie de lui mettre un petit one tap là. Pour le punir. Hmm. Ouais, je vais pas sortir un blitz quand même. On va jouer ça. On pense quoi des Noricodes, hein? Nous aussi on déteste les mecs sans accent. Non mais sérieusement, vos accents c'est horrible les gars. Peu cher. C'est quoi ça? C'est Ella? Ah non, c'est Kaïd. Insertion in 5 seconds.
location of biohazard container unknown. Child. Je suis con. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Ella. Pip 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 électrifié. Ah, il le joue shotgun en plus. Balance-le ton C4. VOD, si t'as pas l'information, ben forcément, c'est compliqué. Il faut pas rester passif par rapport à quelqu'un. En 1v1, pas de son égale danger, en vrai. Faut aller chercher l'info. Qu'est-ce qu'on va jouer? Je sais pas quoi jouer. Azami, ok. Merci Alro pour Docteur Bédo de lui avoir payé ses droits de scolarité. Plus cher. Entre nous, on s'aime bien. Ah, mais il peut pas comprendre, l'autre, il est de Bretagne. Oh, les cancéreux de la gorge, là. Oh. Insupportable, votre accent. Insupportable, c'est une honte à la langue française. Je vois ce que je fais, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. Frais chemin. Il va pas assez lentement en revanche. Il n'utilise pas assez le walking. Op 4 has found the biohazard container. Ça fait chier parce qu'il s'est bouché. Advantage. Il avait pris quoi la sens? Pourquoi pas jouer de la Ying? Ying tout le temps, Ying, Ying. On va faire le guise. Ah bah je vais Jackal. Zéro non. Ah zéro, t'entends les cams et tout. C'est trop lent. Tu veux savoir où il est le mec en deux secondes et après tu vas aller soit le niquer, soit le jouer l'objectif et puis voilà quoi. Quoi de mieux que de le niquer avec des trucs Merci infiniment Sekizan d'avoir offert un minouchette. Minouchette quoi, faut vraiment avoir zéro ego pour s'appeler minouchette quoi. Oh là là. Oh, c'est insupportable ça.
vient pas me jouer sur mes entrées, vous voyez, c'est ça le problème. De toute façon, il est dans le garage. Donc la probabilité qu'ils soient en train de se balader, je l'établis à 0%. Peut-être sur les cams. Logique. Allez, est-ce qu'il tente le C4? Non. Est-ce qu'il vient me jouer là-dessus? Sur mon erreur. Bon, j'ai pas vu ce qu'il avait, hein. Je fais que des erreurs, bien sûr, mais... Je pense pas qu'il ait envie de sortir de son... Non, il est trop passif. C'est quoi ça, un Fenrir? Je pense qu'il va aller là, moi. Je pense qu'on va le faire aller là, vous êtes prêts? Je fais n'importe quoi, ce que je fais n'a pas de sens. En face de moi. Derrière le camion. À gauche. Là. Op 4 neutralized. Mission successful. Pip. Pip pip. Pourquoi à votre avis? Pourquoi il perd son duel? En un mot. Pourquoi? Eh hey, oh, headshot là! Je vous pose une question! Voilà, il est trop passif! Putain, qu'est-ce que vous êtes relou là! Passif, c'est-à-dire, ouais, ok, passif, derrière, on développe, qu'est-ce qu'il a? Ça veut dire quoi, passif, au final? Quels sont les moments auxquels il aurait pas dû me respecter? Manque d'action, il te laisse faire tout ce que tu veux, voilà, passif. Ouais, oui, 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 on a compris, c'est la définition de passif, fils de pute. Mais à quel moment, du coup, il aurait dû faire quelque chose? Quel a été le moment où le choix était mauvais? T'attendre au drop de la trappe. Merci, Alro, putain. Merci. Le drop de la trappe est un truc que je respecterais. Indépendamment du niveau du joueur en face de moi, même si c'est un gold, je vais pas sauter à la trappe si le mec est... Si le mec m'y attend. Mais non, il n'y va pas. Le drop de la trappe est quelque chose qu'il me laisse, volontiers. Bon bah ok dans ce cas-là. Moi je prends, tu vois. C'est la bonne réponse. Et c'est là qu'il a perdu son duel. C'est pas avant, c'est pas machin. C'est là qu'il a perdu son duel. Au drop de la trappe. Il y avait, je sais pas où il est, hein. Mais j'ai pas essayé de poser des problématiques autres. J'ai pété la porte du garage, mais ça s'entendait trop. Je lui ai indiqué un schéma de jeu qui était simple. C'était, je vais sauter par cette trappe parce que je suis au-dessus de toi, frérot. D'accord. Faut bouger, faut se donner, faut aller se battre, faut aller chercher l'info et tout. On peut pas être passif comme ça. Surtout quand on est droné. Vous voyez ça là? Je voulais l'enfermer. Pardon. Ok, ça va, c'est pas trop mal.
Tu regarderas la VOD, poulet. C'est impossible que tu puisses passer dans les toilettes à un endroit qui t'ouvre sur une ligne à droite sans avoir l'information à droite. Il faut à chaque fois avoir une vision claire de quelles sont les cases et quelles sont les lignes. C'est tout. Ça, c'est grave ce qu'il a fait, le passage. C'est grave. Quelles sont les lignes ? Quelles sont les problématiques ? Là, il y a une problématique. Ok, au moment où je vais passer au niveau de la porte pour entrer au niveau des toilettes, je m'expose à la case qui est en haut des escaliers quasiment. Contact à droite et sortie de la kids bedroom. Il me faut un drone par là-bas. Parce que là, il n'est pas en dessous. Il n'est pas en train de jouer sur la verticalité. Donc déjà, c'est encore plus un problème au final de ne pas savoir où je suis. Parce que ça doit t'exposer à ça doit te faire réfléchir à plein de trucs sur la probabilité que je sois à des endroits qui sont compromettants pour toi et qui t'empêchent d'atteindre l'objectif. Donc soit tu vas chercher l'information d'où je suis, soit autrement, tu mets des drones aux endroits où je ne suis pas, mais dont tu es sûr et certain que s'il n'y a personne là, alors je peux aller à l'objectif. Mais tu ne peux surtout pas ne pas savoir où je suis et passer par des endroits qui sont problématiques et après être en mode le joueur mauvais sur Rainbow Six qui va faire un truc du genre « Oh non, oh ben, je savais pas oh, !» Comment ça tu savais pas? Là faut arrêter, merci. Merci Coco pour les tortues albinos. Comment ça je savais pas? On la connaît cette ligne. Oui, là, quand il est pas là, je sais exactement où il est. Il est là, à droite de la porte. Bon, bah, il m'attend. Il est encore plus passif. Et ça, c'est pas normal. Donc, je vais droner et il va bouger. À moins qu'il fasse une grande rota, ce qui serait intéressant. Là, ça me fait rêver. S'il me tue dans le dos, là, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. La clé de mort. Je suis vraiment pistolet. Merci le Barjo pour les 18 mois de frais scolarité, un monstre. Vous avez vu le timing? Ça je sais pas, ça en revanche vraiment je sais pas comment est-ce que je fais pour le timing. Je savais que ça allait arriver pile à ce moment là quoi. Et je suis en train de parler, tu veux pas arrêter de payer des droits de scolarité au moment où je suis en train de parler, fils de pute? Merde. C'est pas vrai ça. Les gars, je devrais faire des... Un centime par caractère. Ainsi le Barjo. Tout ça c'est l'intelligence de jeu et la logique, mais c'est pas si évident pour tout le monde. Mais je sais bien que je suis un surhomme. Non, je sais bien. J'essaie parfois de me dire... En fait, c'est pour ça parfois que c'est extrêmement frustrant pour moi. Tu vois? Je me dis, mais c'est tellement simple. Mais en fait non, c'est simple parce que moi je suis très 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 intelligent. Et ça c'est très dur pour moi d'arriver à concevoir qu'il puisse y avoir sur la planète beaucoup, beaucoup de gens bah, qui sont comme vous quoi, très très cons. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous pensez que ça passe ça? Ouais, c'est hyper intéressant ça à savoir. Il est pas rentré là, il est rentré en face de moi là.
Ah, ça passe. C'est trop pute, ça. Attends. Ah non, c'est l'autre de l'escalier qui s'est pris. Donc il est juste en face de moi, là, sur la ligne, parce qu'il a pas bougé. Là, vous pensez ? 3, 2, 1. Ah non. Il rotate à chaque fois en revanche. Regardez le bait. Pas le droit de me troll comme ça. Bah, elle vient d'où cette goumine? Tu vas regarder la VOD? J'ai failli rater le coup de cut. J'ai failli rater le coup de cut. Je veux le trigger en fait. Je veux trigger son côté machin quoi. Ça hargne là, la hargne de gagner là. Regarde ça en bas. Ah, il va me prendre un truc à la con, il va prendre bandit. Non, je l'ai banni. Il va prendre mute. Moi je dis mute. Parce qu'il l'a jamais pris. Depuis tout à l'heure, il change énormément. Ah non, il était pas en bas. Si. Solis. Ok. Bah, bonne utilisation de Solis pour le moment. Ah, mais. Ah putain, ça fait. J'ai envie de le trigger. Oh. Il va pas remonter. Hein. Faudrait qu'il remonte de temps en temps. Faudrait qu'il en profite. Surtout qu'il a Solis, quoi. Va rester sur le site bien sagement ou pas. C'est parti. Ok, c'est pas mal ça. Ah là 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 là. Bon, le shoot est bon, c'est ce que je vous disais. Là, il aurait pu se faire enculer sur la perspective, tu vois. Là, la première fois qu'il tente, à la limite, sur la surprise, alors que tout à l'heure, je lui ai dit, essaye plutôt de faire un truc où tu t'essayes une fois et derrière, tu te barres, quoi. Et je pensais qu'il avait respecté ça et qu'il allait de facto se barrer. Et il est resté, donc du coup, bon, je me dis, si c'était fait dans l'espoir où je savais qu'il savait... Je sais pas pourquoi je prends un Zami, en revanche. Pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas. J'ai pris où là? Ah oui. Mais néanmoins, il n'a pas l'avantage. Et vous savez quoi? Cette map là, cet endroit là, ce pic là, on en a déjà parlé. Au même endroit. Et c'était avec Mopiz sur House, je me rappelle de tout.
avec Mopis sur House où je lui expliquais le problème de perspective de cet endroit là où il aura pas l'avantage. Attends, elle marche la machine ou pas là? Non. Ah oui, c'est pas mal, ouais. Et ça fait un truc pour handicapé. Hein. Là, vous voyez, il vient de droner. Non, en revanche, que la première fois, j'avoue, il tire bien le daron. Il a 45 ans, j'ai 40 ans, les mecs. C'est qui de qui tu parles du daron, là? Ah, je vais sortir Blitz parce que je suis un fils de pute. Hein. Ah, j'ai vraiment cru qu'il mourait sur la première salve, quoi. Mais il a moins peur, là. Sur les décales. Parce que là, il a pris l'info, il a fait le trou dans le closet et tout machin, et il y va, quoi. Non, je sais pas si... Merde, putain, je suis con, moi, quoi. Ok, let's go. On va prendre ça, les gars. Vous pensez que c'est un bon move ou pas? Non plus. Ah mais c'est une Solis. Ah je vais un peu l'avoir dans le cul là. Sortir. Ah, j'arrête pas son shotgun. Ah, c'était un Fenrir en plus. Vous voyez, par exemple, là, le move, il est débile. Au moment où j'y vais... Au moment où il casse le drone, j'y vais sur un 50-50. 50% il pousse dans la librairie, 50% il revient sur le site et au final il est juste à ma droite. J'imagine parfaitement où il va être. Voilà quoi. Et encore j'ai eu de la chance parce que normalement il aurait dû me tuer au moment où je rentre. Au moment où je rentre. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Ok, on va faire quoi? On va tenter quoi? Est-ce qu'on jouerait pas sur la verticalité? Voir s'il a une bonne maîtrise de la verticalité. Ça c'est parfait, du coup le drone est bait, il sait pas ce que j'ai. Op
Scout 4 hasn't found the biohazard container. They will attempt to locate it during the assault. J'ai envie de faire de la merde, j'ai envie de faire ça. Il a pris une IQ ? Ah. C'est mignon ça. Op 4 found the biohazard container. Bon, il est là. Hein. Je pourrais aller le C4, je pense qu'il est dans l'office. Il casse la cam de la kitchen. You have been identified. Qui va me jouer? Bon, là, il doit gagner, c'est un jackal. All friendlies were eliminated. Mission failure. Je reste sur la cam, c'est bien. Amazing. On en fait une dernière? Bah si tu veux. T'es sûr tu veux pas parier les 500 euros maintenant? Non. T'as gagné deux fois mec. Non non, tu m'as laissé gagner encore. Non mais t'es ouf ou quoi? C'est vrai, tu m'as laissé gagner mais en plus tu m'as trollé quoi. Mais pas du tout. Moi jamais. Ah bien sûr. Ok bon c'est parti. 500 euros du coup. Cette fois-ci c'est la bonne. Mec t'as gagné deux fois, t'as des balls un peu ou pas? Ouais mais non. Ouais mais non du coup. Donc t'as pas de balls. Ok, allez, petite dernière, let's go. J'ai le téléphone qui s'est éteint, j'ai plus de batterie. Oui, ok. Ah oui, d'accord, ok. Non, je croyais que tu me trollais. Pour la, d'accord, pour c'est la parti. Cam. Non, non, pour la cam. Ouais, là, c'est bon. Je l'encule. J'espère qu'il va battre Beats parce que... Dommage. Azami, mais j'ai même pas utilisé une seule Azami. Enfin, je l'ai utilisé tout le temps, mais à chaque fois, les Azami, elles étaient pas problématiques pour le coup. À part dans la chambre tout à l'heure, à la limite, et ça, ça ressemblait à peu près à une vraie Azami. Ok, j'arrête de faire le con. Let's go, on se concentre. Je fais marcher le Game Sense. Prédiction, mais non, mais il n'y a plus de surveillant, frérot. Bon, déjà, il va être en haut parce qu'il a jamais pris en bas en première. Donc, c'est forcément haut. Partons du principe que il va très certainement renforcer là. Ça veut dire qu'il a pris la master bedroom. J'ai pas besoin d'envoyer mon drone en haut. Je garde mon drone ici. Je récupère mon drone, donc du coup, je spawn exactement ici. On est bon. Il a renforcé de l'autre côté, etc. Machin, il va rester au niveau des toilettes ou machin, ou librairie. Il va pas énormément roamer de toute façon. Il va regarder les cams ou pas. On bat les couilles. C'est pas ça qui va changer grand chose. Néanmoins, si je casse les cams, je peux quand même garder les spets surprise. Surtout s'il va au niveau des toilettes. Ça, ça me ferait plaisir. D'avoir la possibilité de faire surprise, j'ai blitz, stack, flash, terminé. Ok.
pour ce faire. Il faudrait déjà qu'il utilise pas Solis. Le fait qu'il utilise Solis, ça pourrait me faire un peu peur. Donc je regarde et je reste sur le toit. Donc je respecte le fait qu'il puisse utiliser une Solis. Et j'essaie de savoir de ce qu'il a. Il va peut-être utiliser un lésion, ce qu'il utilisait tout à l'heure. Fil barbelé, donc non déjà. Première fois qu'il sort un fil barbelé, il sait que j'ai vu la bombe. Et du coup, c'est... Thorn. Ok, très bien, pourquoi pas. Alors Thorn, elle peut être mise dans les toilettes, ce qui est un peu relou pour le coup. Alors le problème, c'est que je vais un peu me bait là-dessus. Mais... y aller quand même si c'est pas le meilleur des moves, surtout s'il a mis une torne juste en dessous de moi. Ah ouais, mais... C'est quoi son problème? Ça joue à un petit détail. Bon, à part le fait qu'il n'est pas banni Blitz, du coup, mais bon. Mais c'est quoi son vrai problème? Il y a eu deux trucs. Allez, deux trucs. Ok, je vous le dis. Il n'a pas regardé la caméra pour savoir que j'avais un Blitz, donc du coup, il s'est fait surprendre par le fait que j'ai un Blitz. Je pense qu'il est surpris par le fait d'avoir un Blitz, alors que le Blitz, du coup, t'as envie d'avoir l'information la plus rapidement possible, parce que si t'as l'information la plus rapidement possible, bah, de facto, tu peux intervenir plus rapidement, ok? Et deuxièmement, il aurait dû casser les vitres de la salle de bain. Non. Il s'est fait surprendre par la position du Blitz. D'accord? Son âge. Doit falloir fermer ta gueule. Là, le non putain, c'est parce que son drone est squeezé derrière moi au niveau de la porte. Du coup, il va spawn, il va bientôt... Il va attaquer là, il va casser la porte dans deux secondes. Moins qu'il s'adapte. Bon, je vais tenter le truc. Ok, il est au-dessus de moi. La trappe va sauter. Problème de RAM, on est dans une logique de 1v1 et là c'est Rainbow Six 2024, ok? Je joue sur la verticalité, ok, mais on n'est plus dans une logique à la 2017, 2018, 2019 où dès qu'on joue sur la verticalité au-dessus de moi, je m'arrache. Bah non, bon je vais pas faire que le fils de pute non plus. Bon je peux comprendre, on verra. Donc du coup, bah c'est bien de péter des machins, mais on est en 1v1, donc au final j'ai autant d'avantages que lui là, d'accord? Et en faisant du bruit, etc., machin, il n'est pas déjà dans une logique où... Voilà, on peut pas arriver à un endroit, jouer sur la verticalité, penser que les gens vont bouger à l'intérieur et que c'est bien de jouer sur la verticalité et d'avoir des mecs qui jouent sur l'horizontalité. Donc au final, on se retrouve avec des défenseurs qui font « Ah merde, j'ai pas vu au-dessus de moi !» Mais non, on est en 1v1. Bien sûr que je vais vouloir le counter. Ça, c'est... Bon, je pense qu'il est toujours au top, on vient d'entendre les pop 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 pop. Il doit être dans la kit pour changer. Ok, on sait exactement ce qu'il a pour le coup. J'aurais pas dû prendre un Grim. Néanmoins, il y a des chances qu'il fasse une rotation un peu trop tard. Il va pas regarder les cams non plus, et il y a des chances qu'on l'ait en face de nous, genre maintenant.
Y'a personne ici, maintenant il va savoir ce que j'aime, il va penser que j'ai une IQ. Bon, là il me joue pas sur mes inserts, ce qui est une erreur fondamentale, donc je vais forcément m'insérer. Mais là je viens de prendre du temps pour le faire. Vient-il me jouer sur mon insert? Non. Pour moi il est librairie, closette ou dans le... voilà, bon, c'est exactement où il est. Du coup, pour le coup, pas difficile. S'il bouge pas, malheureusement il va mourir là-dessus. Oh putain, bah c'est un Capcom. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah vous voyez l'effet tunnel? Je me suis dit vas-y, je l'encule rapidement. Ouais, c'est Capcom. Alors que je sais, je l'ai droné, machin. Erreur. Je m'attendais aux deux Capcom là, deux Capcom librairie et... Enfin à la porte, je les avais vus. Je sais pas quoi jouer en revanche. Ça c'est relou. Voilà, en règle générale, enfin là en l'occurrence, il faut savoir dissocier l'action du résultat. No offense, mais la façon dont il a joué était très mauvaise. C'est pas à lui, il peut pas se dire GG, j'ai bien joué. D'accord? Il devait perdre ce duel. Ok? La prochaine fois, je serai plus vigilant. Mais c'est lui qui devait perdre le duel. Si on refait 50 fois ce duel, il va le perdre. Il a mal joué. Il s'est trop laissé enculer. On s'en fout que ce soit Capcom ou pas Capcom ou je sais pas quoi. C'est ça le problème. Alors, je sais pas pourquoi je prends Valkyrie en vrai. C'est débile. Op 4 has spotted the biohazard container. Bah, j'ai été gentil la première fois, mais pas la deuxième. Je pense qu'il me voit pas, peut-être. Je m'a décalé, pour le coup, je dois me faire sanctionner, là. Je pense qu'il me voit pas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que j'enlève la tête de Valkyrie qui m'a valu 2 kills hier. Le truc qui dépasse de la tête, là. Ok, qu'est-ce qu'on peut jouer? Vas-y, je sais pas, franchement, on peut jouer ça. Je suis nul avec ça. Donc, il va peut-être partir en bas cette fois-ci. Ok, normalement, il devrait savoir que si ça bouge pas, il y a un truc qui est planqué en dessous de lui, on va regarder ce qu'il a du coup. Et il reprend le caïd, même technique que tout à l'heure. Là il y a un drone sur site, il devrait le savoir. Donc s'il joue le caïd, je suis obligé de le respecter là-dessus. S'il joue le caïd. Je sais pas. Mais on va aller jouer de l'autre côté parce que là c'est un peu trop straightforward depuis tout à l'heure là. Et si c'est Kaït, c'est un gros 90% de chance qu'il bouge pas du cul, son cul du site. Et donc on va pouvoir le jouer de l'autre côté. Mais on va lui faire croire qu'on attaque par le front. Ça peut être pas mal. Bon,
Bon, si c'est un caïd, il est derrière la voiture ou derrière la camionnette. Il va pas en bouger. Non, il est à gauche, comme tout à l'heure. On va lui casser son truc. Parce que c'est drôle. Et parce que ça va le déclencher. Il se réveille, il se demande ce qui se passe, etc. Sauf que là, il fait du bruit en mettant sa merde. Merde. C'est pas cool, ça. Ils cherchent pas assez les drones. Alors là, le but du jeu, c'est de lui mettre un travers. Un, je prends mon drone pour péter le machin pour pas qu'il le voie. Il n'était pas sur les cams, on l'a pas entendu sur les cams. Deux, je donne l'impression que j'utilise ce drone-là maintenant. Et je vais le bait de l'autre côté pour qu'il passe devant moi. Là, il va me décaler devant moi. Sauf que je rate mon one-tap parce que je suis débile. Je sais exactement où il est. Je vois exactement le move. Et je suis juste nul. Et là, j'ai fa. Ok. Je peux comprendre. Lésion. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Pourquoi pas lésion? Ouais. On va rester là, on va faire les choses simples. On peut pas mettre le truc là. Op 4 found the biohazard container. Bon, il est sur le toit, du coup, on le sait. Tellement la flemme de regarder les cams. Je sais même pas où elles sont. J'ai aucune idée d'où c'est. Salut. Je m'arrache. Non.
Oh, ça passe pas ça. Je dis salut, mais j'ai failli me faire reculer. J'ai faim. Bon, j'ai envie de reprendre l'avantage. Locate the biohazard container. Bon, il a pris un truc avec un bay leaf. Un doc. Non, c'est un bay leaf qu'on entend. Pas du tout. Si, je crois. Biohazard container location unknown. Find the biohazard. Ah, il a pris un bouclier, putain. Pas le sorti. Peut-être. J'ai vraiment l'impression que c'était un bélif. Ah, j'ai pris le bouclier, maintenant t'as l'information par rapport à tout à l'heure. Donc la question c'est comment tu t'adaptes. Alors on va faire tout ce qu'on devrait pas faire avec un bouclier. On va aller prendre des lignes. Et ça, ça surprend forcément. Mais non. Du coup, on fait forcément l'inverse. Ce qui se dit, je sais que j'ai le bouclier, donc forcément, je m'attends à une insertion. Il faut que je regarde où est-ce qu'il va rentrer, parce que plus il va rentrer, plus il va rentrer. Ah, mais non. Ah non, j'ai pris un blitz qui snipe, frérot. Son drone arrive. 3, 2, 1, non. Il fait quoi ce con? Vas-y, il nous fait chier avec sa rame. C'est que là il va perdre du temps. Il va péter la trappe. Non, je savais qu'il était à gauche. Oh putain, je voulais le cramer! C'est le seul endroit où il pouvait être, puisqu'il n'avait pas cassé la porte. Donc il pouvait pas rester dans le petit closet, donc il était contact à gauche. C'est pour ça que je mettais des trucs rebonds. En revanche,
Oh, mon cerveau peut plus. Manque de glucides. Qu'est-ce que je disais? En revanche, je n'ai pas entendu péter la trappe. Du coup, je pensais qu'il avait pété la trappe et que j'allais pouvoir le flammer, alors qu'en fait, il avait déjà sauté et il a eu le bon réflexe de pusher et de pas rester passif. Juste, c'est pour ça que je voulais prendre Tachanka, voir s'il va cramer un peu comme une merde. Voilà, quoi. Parfois, faut traverser les flammes et faut casser la range. Merde, il est en haut. Je sais pas ce qu'il a dit. Yo, Fougère. Biohazard container location unknown. Find the biohazard container. Attends, là je peux plus réfléchir. Quand je suis comme ça, je peux plus réfléchir. Mon cerveau ne peut plus réfléchir. Je suis vraiment très fatigué. Ah, je suis pas fatigué, c'est juste qu'il me faut des glucides. J'aurais dû aller chercher une petite banane. Ça fait que deux fois. Mmh. Ah ouais, il est dans la chambre, on casse à droite, on casse à gauche, il reste au milieu en se disant ok, il va être sur le toit, ouais, mais non. 99999 garage. Je sais pas pourquoi je pense ça, ne me demandez pas. Je pense que le drone est en dessous de la voiture. Oula. Merde. Il va faire la même insert, ça va être son erreur. Oh les bâtards. C'est bien. Mais il m'a droné en haut, vous pensez? Je peux pas descendre. J'ai pas de shotgun là-dessus. Je l'ai jamais joué cet opérateur. Op 4 secured the biohazard container. Mission failed. Première fois que je joue caverne. Bah ouais, j'aurais dû prendre au moins le shotgun pour la trappe quoi. Derrière ça se joue. Je pensais qu'il va aller où hein. Ah, j'ai envie de tenter des trucs de merde. Je trouve ça tellement drôle, les revers. J'ai pas envie d'être sérieux. Well done. Vas-y, franchement, tu sais quoi? Ouais, ça me paraît pas mal. Avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, c'est quoi ça? Wamai? C'est quoi le shtoum? Fenrir?
façon, c'est ce qui remonte maintenant. Il l'a cassé l'autre? Ou je l'ai pas mis? 500 euros! 500 euros! Les Français parlent tout français! Et bonjour à tous et nous avons terminé! Au revoir! Il l'a pété sûrement. T'as cassé mon fuse au-dessus de toi? Non. What? Non, non, les deux que t'as balancés, ils sont... Oui, il y a eu un troisième que j'avais mis pile au-dessus de ta tête au cas où j'allais pusher, justement, comme une grosse merde. Alright, bon, moi, c'est pas mal, parce que même si on rigole, etc., il y a des trucs marrants, il y a des trucs qui... tu regarderas la VOD, regarde la VOD, ouais. Etc. Moi, c'est un putain d'outil pour moi, le 1v1. Ça me permet tout de suite de voir qu'est-ce qui va pas... voilà, quoi. Dans les ce qui va, par exemple, le shoot est bon, tu vois. La volonté aussi de pas avoir si peur que ça au final, tu vois, et de respecter le 1v1 sur les logiques de silence, ok, quelles sont les informations que j'ai, quelles sont les informations d'avoir de pouvoir faire preuve d'une certaine empathie dans le jeu, c'est-à-dire de mettre à la place de mon adversaire, tu vois, et de pas hésiter au final, tu vois. Je t'offre l'opportunité avec une Cavera off-site, bon, tu vas pas tergiverser 3 heures, tu bouges sur le site en te disant, bon bah, il est là, de toute façon, il n'y a qu'une porte, il va repasser par la porte, voilà. Et donc ça, pour moi, c'est des trucs qui sont hyper... qui me permettent justement de faire en sorte que le programme que je vais t'envoyer soit adapté à, à l'objectif dont on a parlé, quoi. Néanmoins, quand bien, c'est la loi de Pareto, hein, c'est les 80-20, ok, je pense sincèrement que 80%, c'est horrible, hein, mais je pense sincèrement que 80% des choses qui vont faire que tu atteindras ou non ton objectif, ça se passe dans la tête, quoi. C'est le mindset, en fait. La volonté de gagner, réellement. Et la volonté, au final, Mais tout le monde a la volonté de gagner. Tu sais, les gens, ouais, j'aime pas perdre et tout. Ouais, mais la question, c'est, est-ce que derrière, tu vas saigner des heures des caméras de Valkyrie parce que tu utilises Valkyrie, tu vois? Quand tu... C'est trop facile d'avoir une personne qui me dit, ouais, mais moi, j'aime pas jouer contre Blitz. On dirait un mec qui veut faire de la musculation et qui dit, ouais, mais moi, je suis pas fan des tractions. Mais justement, en fait. Justement, c'est bien parce que t'aimes pas Blitz qu'il faut que tu joues contre du Blitz, que tu demandes à quelqu'un de dire, viens, on se fait des 1v1, tu prends que Blitz. Vas-y, viens, faut que je t'encule. C'est ça qui va faire que tu vas agrandir ta zone de confort, tu vois, en te disant, bah maintenant, Blitz, j'ai plus peur de lui, en fait. Et la plupart du temps, le meilleur moyen, plutôt que de faire des 1v1, etc., de le jouer toi-même. Deviens bon avec les shields. Deviens bon avec les shields et t'auras plus jamais peur d'un shield. Si tu restes à prendre ta pauvre IQ et ton pauvre bandit et ton pauvre truc, tu vois ce que je veux dire? Ta zone de confort, elle est tellement petite que de facto, bah, dès qu'il y a un petit truc qui change un petit peu, bah, du coup, tu vois ce que je veux dire? Tu te sens paumé et c'est pas simple, quoi. Anyway, bon. Ce qu'on fait, comme d'habitude. Donc, du coup, moi... derrière, je re-regarde les VOD, enfin la VOD, ouais, qu'on a faite aujourd'hui. Et après, en fonction de l'objectif dont tu m'as parlé, je t'envoie le programme. Laisse-moi, bon, ce sera fait avant mercredi parce que je pars en vacances, de toute façon, je te l'avais dit. Donc, ouais, avant mardi, je t'envoie le programme qui sera personnalisé par rapport à l'atteinte de tes objectifs. Néanmoins, rappelle-toi de ce que je t'ai dit par rapport à cette pugnacité à aller chercher et cette volonté, quoi. Indépendamment du programme, je peux donner le programme, je peux indiquer la voie, mais je peux pas. Il faut la volonté derrière. Ben, je peux pas pousser les gens, voilà, quoi. Je peux pas pousser les gens. Ok. Ça marche. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Là, pour l'instant, non. Ok, bah c'est simple. T'as mon Discord.
Le TAM et DM, et ça fait partie du package du coaching. Donc s'il y a besoin de quoi que ce soit, réellement, puisque c'est le cas en ce moment d'ailleurs avec le coach de mardi, si tu as des questions, tu les poses. Ouais, sur le Discord directement. Et n'hésite pas, profites-en en fait. Ouais, t'inquiète. Ok ? Ouais, pas de soucis. C'est bon pour toi Fred, ça allait ou pas ? Ouais, nickel. Merci à toi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses à dire avant de se quitter ? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles t'aurais aimé voir ? Est-ce que dont t'aurais aimé parler ? J'attendais ce que tu me disais en fait. J'avais un peu conscience de ça, donc après à moi de travailler sur ce mindset. De sortir les doigts, c'est tout. Hein. Plus, voilà, et de se sortir, grosso merdo, se sortir les doigts carrément du cul. Il y a pas de secret, tu sais, le petit truc de dire ouais, j'aimerais bien des petits conseils et tout, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment c'est vraiment la logique d'aller voir des coachings en disant. Ouais, mais j'aimerais bien. Est-ce que t'as pas des conseils pour perdre du poids et tout ? Ok, mais on le sait tous, quoi. Que ce soit dans Rainbow Six, comme dans la muscu, dans une volonté de perdre du poids, de sortir dans une zone de confort ou de commencer à prendre du muscle, je sais pas, parce que je trouve la métaphore plutôt pas mal. Il y aura un moment où ça va être de l'inconfort. Hein. Il va y avoir le côté sportif, relou, faut se lever, faut y aller, faut faire le sport, faut aller soulever de la fonte, ok ? Et pour la perte de poids, bah non, il n'y a pas de conseil pour le fait de dire « Ouais, mais par rapport au Big Mac, bah non, on va peut-être falloir arrêter, en fait. Il va falloir se restreindre par rapport à certains trucs et tout. Voilà, donc forcément, il y a... Il y a des trucs dans le mindset, mais le mindset, c'est le comportement au final. Il y a des choses qu'il faut clairement changer. Alors, pas tout, mais sur ta vision de Rainbow Six, c'est si tu as réellement envie de devenir meilleur. Je pense que c'est surtout ça, en fait. C'est l'approche par rapport à Rainbow Six, c'est la vision par rapport à Rainbow Six, quoi. Plus que les conseils de comment lécher les arêtes ou machin ou truc, quoi. Faut se mettre la gueule dedans, faut se sortir les doigts. Il y a 150 000 contenus sur YouTube pour placer des caméras Valkyrie, connaître les maps. Voilà. Parce que la plupart du temps, quand on va aller voir des pros, malheureusement, on va voir un 1v1, en fait. On va voir un 1v1 et on va dire « Ouais, Checo, il vient de faire 2 kills, quoi. » D'accord ? Et c'est tout, en fait. Et ça, c'est le mec débile qui voit ça, tu vois. C'est le mec débile qui voit « Ah, bah super, ce joueur de foot-là a mis 2 buts dans son match, etc. » machin. Il a une bonne frappe. Ok, mais la question, c'est pas la frappe, c'est comment est-ce qu'il arrive à voir la défense ? Où est-ce qu'il fait ses appels de balles ? Quelle est la complicité qu'il peut avoir avec le mec qui fait les passes, tu vois ? Quelle est sa vision du jeu ? Comment est-ce qu'il arrive à se démarquer ? Comment est-ce qu'il a bossé l'entraînement pour avoir le coup de rein nécessaire pour aller enculer le mec qui est en face de lui, quoi ? Est-ce qu'il a étudié le comportement du défenseur en face de lui ? Est-ce que ce défenseur-là, il a plus l'habitude de partir à gauche ou de partir à droite ? Ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas, en fait. Ça, c'est tout ça qu'on voit pas. Et on reste dans ce truc-là de se dire oh, « Ok, c'est juste un mec, qui vient de marquer 2 buts, il est fort, il a frappé, il a une bonne frappe. » Non. Ça se trouve, il a bossé comme un gros fils de pute depuis des mois et des mois et des mois. Et la seule différence entre l'un et l'autre, c'est juste la psychologie, le mindset qui a fait que... C'est ça. Alright. Truc du mental. Ok, Pep Guardiola de Wish. Ok, bah niquez vos races, allez tous vous faire enculer. Allez, choose Fred, si t'as une question Discord, ok ? Ça marche, pas de soucis, merci à toi. Ciao. Bye bye. Alright, allez vous tous vous faire foutre. De toute façon, vous n'avez pas fait un sub depuis tout à l'heure. On fait des coachings, vous en avez rien à branler. Vivement que je me barre de jeu de fils de pute, de toute façon. Niquez bien vos races. Je me casse, je vais manger. Vous avez été des putains de radins une fois de plus. Je vais envoyer le nom de celles et ceux qui ont participé. Non, nique ta mère, toi, c'est là. 15 pour les couilles. De celles et ceux qui ont participé à ce live. Il y aura 3 pauvres noms qui vont se battre en duel puisque personne n'a participé à ce live parce que vous êtes des radins. 7 pauvres subs de Nutella. Le mec est multimillionnaire. Ok. Le Guy, 5 subs. Cacao, 4 subs. Génial, les gars. Franchement. Ça fait plaisir de faire du Rainbow Six Siege. Donc c'est important pour moi de vous le dire avant de vous quitter. Allez bien vous faire enculer. Okay. Voilà. Non, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Niquez bien vos mères. Alright. Surtout ceux qui veulent pas payer 4,99.
Pour les sabats sur YT, allez liker et commenter la dernière vidéo ou la prochaine. Ok, pour les sabats sur Discord, pour les sabats sur Instagram, il y aura plein de trucs sur Instagram puisque je pars en vacances à partir de la semaine prochaine. Ok, et je serai très peu là en fin d'année. Mais vous en avez rien à branler de toute façon, vous êtes tous des cons. Allez vous faire foutre. Et surtout, Salty, hein. Mais pas que.